Coucou, Melovalov, bonjour, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une super journée. En tout cas, moi, je vais super bien avec le temps qui va avec. Connaissez-vous l'air est grave? L'air n'est plus à rigoler. Partagez la vidéo. Vous savez que ma page est restreinte. Donc, du coup, quand vous voyez que la vue baisse, c'est parce que j'ai été trop signalée. Voilà. J'ai été trop signalée, donc ils ont un peu restreint ma page. Voilà, donc partagez la vidéo, mettez le cœur. L'air est grave. L'air est très grave. J'ai même pas encore fini de parler hier. Voilà les griffes. Je n'ai pas fini de parler hier là. Voilà. L'air est grave. La sorcellerie a commencé. C'est-à-dire petit truc de Facebook là. Petit clashage de Facebook. Petit amusement où chacun va avoir un peu de vue. Un peu de ça là. C'est rentré dans la jalousie. Et la sorcellerie, elle s'est installée. Partagez la vidéo. Mettez le cœur. Est-ce que vous êtes là? Je ne vous sens pas. Avec le thème qui va avec. Est-ce que vous êtes là? Nous étions tous là hier. Après le frapponnement, le frapponnage, la correction de Apuchou, nous avons vu le soi-disant maître des réseaux sociaux rentrer en caserne et on voit sur sa page qui s'est transformée en noir avec une bougie. Et vous connaissez déjà lorsque quelqu'un mais une photo noire sur sa page, soit ça signifie un malaise, ça signifie un deuil. On était tous inquiets. On dit, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Makoso n'est pas allé se suicider? Est-ce que Makoso n'est pas tombé dans le combat? Est-ce que Makoso va bien? Ou bien qu'est-ce qu'il nous prépare encore? Il nous prépare une nouvelle marmaille. On était tous inquiets. C'était une manière de genre de faire disparaître un d'abord le bim d'Apoutou, parce qu'Apoutou a fait fort. Apoutou a fait fort. Oui. Apoutou a fait tellement fort que pendant son direct, il y avait plus de 20 et quelques mille personnes qui le suivaient. Donc chez nous, vous-même, vous connaissez Makoso, c'est quelqu'un qui est trop jaloux. Oui, c'est mon amour, hein. Mais là, vous savez, l'homme n'est pas dans l'hypocrisie. Même si c'est mon amour, mais je vais lui dire la vérité. Je ne vais pas aller lui dire la vérité en une bosse. Oui, peut-être un jour, il va venir que l'homme m'a donné rendez-vous, on va aller se mougou. Parce qu'il a entendu à la fin de sa vidéo là que Leslie veut me mougou, l'homme veut me mougou. Voilà. Ce n'est pas parce que c'est mon amour, hein, que je ne vais pas lui dire mes vérités. Nous là, on divorce chaque jour. Moi, mon mariage, là, ça ne dure pas. Mon mariage avec Makoso, ça ne dure pas. On se marie aujourd'hui, demain, on divorce. Voilà, c'est un couple maso. Mais cela ne m'empêche pas de lui dire mes propres vérités. Si je lui dis la vérité, que je lui dis bonjour, il ne peut pas répondre. Mais il ne peut pas avoir bonjour de l'ova, il ne peut pas répondre. Non, 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 je suis l'ova, je suis une lionne. Oui, il y a le maquillage qui va avec. Est-ce que vous avez vu le maquillage? Confirmez-le, Eddie. Comment est-ce que vous trouvez le maquillage? Je vais, Eddie. Dis la vérité. Et puis je lui dis bonjour. C'est de ça qu'il s'agit. Donc nous l'avons passé. Je sais que quand il a vu les 3000 personnes qui suivaient Apuchou, il est rentré dans le combat. Chez nous, on a pensé qu'il était hospitalisé. Il était à l'urgence. Mais il n'est pas été à l'urgence. Il a fait 5 minutes au Bénin pour revenir. 5 minutes au Bénin. Qu'est-ce qu'il allait faire au Bénin? Question. Pourquoi il met une photo, c'est-à-dire qu'il met son profil en tout noir? Nous qui pensons qu'il est en deuil, tout le monde a commencé à s'inquiéter.
Mais qu'est-ce qui ne va pas? Mais qu'est-ce qu'il a? Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais il y a quel problème? Tu fais le deuil là, c'est pour qui? Deuil que tu as fait là, c'est pour qui? On pleure qui en fait? Parce que dès qu'il est revenu, Makosso est revenu, c'est le nom d'Apoutchou qui est dans sa bouche. Qu'est-ce que tu allais faire avec le nom d'Apoutchou? Parce que ta profil en noir que tu as changé, on n'a pas compris. Hein? Ton profil que tu as mis tout noir là, on n'a pas compris. Ton profil de deuil que tu as mis en tout noir là, la partie là, on n'a pas compris. Et ta première sortie, hein? C'est le nom d'Apoutchou. Donc, c'est le nom d'Apoutchou là que tu as pris pour envoyer ça à ton marabout là-bas. Et puis, ce que j'ai remarqué, est-ce que vous avez vu le chapeau magique? Aujourd'hui, il n'a pas mis le chapeau magique. Quand je vous dis que Makosso, tu es tombé, ton Zamou là, ça ne prend plus. Il a oublié le pardonnez, partagez, mettez le cœur. Partagez, mettez le cœur. On dit qu'il était en deuil, il a perdu qui? C'est quelqu'un qui est en deuil, qui est venu faire tous ces scénarios-là. Hein? C'est quelqu'un qui est en deuil, qui est venu faire tous ces scénarios-là. Quel deuil? C'est quel deuil? La sorcellerie en plein midi. Partagez le direct parce que je suis un peu signalée là. La sorcellerie. En plein midi, quelqu'un qui vient pratiquer la sorcellerie avec le nom d'un enfant, mais c'est retourne à l'envoyeur. Retourne à l'envoyeur. Ce que tu allais préparer, ce que tu allais planifier avec le nom de Apoutchou, ça va se retourner contre toi au nom puissant de Jésus parce que tu ne pourras rien, tu es un plaisantin. Oui. On s'en fout s'il est en deuil. Il n'est pas en deuil. S'il était en deuil là, il allait rester pour faire son deuil. Il n'allait pas sortir pour jouer. C'est-à-dire que pour prendre le nom d'un enfant pour envoyer sur son marabout. Quel deuil. Quand on est en deuil là, on respecte la mémoire d'un mort. Makosso n'est jamais en deuil. Depuis quand Makosso respecte un mort, depuis qu'il respecte la mémoire d'un mort, il n'est jamais en deuil. Il a le gourmet d'Apoutchou. Il a le gourmet d'Apoutchou. Sinon, pour quelqu'un qui est en deuil, tu ne vas pas laisser le corps, frère, coucher à la morgue là-bas pour venir faire direct. S'il était vraiment en deuil, comme vous le dites, il ne va pas laisser le corps là pour venir lutter de vie. Parce que les vies sont importantes que la personne qui est morte. Les vies sont importantes que la personne qui est décédée. Raison pour laquelle il a laissé son deuil pour venir pleurer le nom d'un enfant. Mais je dis retourne à l'envoyeur. Partagez la vidéo. Je vous ai dit que je suis signalé. Je vous ai dit que je suis signalé. On a vu dans ton jeu. Makosso ne connaît pas deuil. Il ne connaît pas ce qu'on appelle deuil. Il ne considère pas un mort. On le connaît, on a vu ça ici. On a vu ça ici. Donc vous qui êtes en train de dire non, là, il est en deuil là. Il n'est pas en deuil. C'est deuil d'Apoutchou qu'il est en train de faire. C'est deuil d'Apoutchou là, il est en train de faire. Raison pour laquelle, dès qu'il s'est connecté là, c'est le nom d'Apoutchou. Le nom d'Apoutchou mon enfant. Apoutchou, tu m'as fait ça. Apoutchou, oh Apoutchou. Mais ça va, ce que tu as le préparé là, ça va se retourner contre toi. C'est retourne à l'envoyeur. Eh oui, on t'a vu loin, hein? On te connaît. Où est la chanson là même? Avant que je ne commence. C'est quoi le... Oh. Le nom là même, j'ai oublié le nom de la chanson là même. Quoi, il est en deuil. Ça, c'est quelqu'un qui est en deuil, ça. Quel deuil? Depuis quand lui connaît un deuil? Depuis quand Makosso fait deuil?
Quelqu'un qui a perdu sa prof, il n'a pas fait deuil. Ce n'est pas quelqu'un qui est décédé, il va lui faire son deuil. Est-ce que lui connaît ce qu'on appelle deuil? Hein? Ou bien il a perdu l'argent? Retourne à l'envoyeur. C'est retourne à l'envoyeur. Nous, on n'est pas blessé, mais le mal, on se passe à quelqu'un. C'est-à-dire le mal que tu veux faire à l'enfant là. Le mal que tu veux faire à Poutchou, quelqu'un qui t'a rendu service hier, tu veux lui faire du mal, c'est retourne à l'envoyeur parce que tu n'es pas Dieu. On a un toit. Retourne à l'envoyeur. Vous les sorciers là, qui ne veulent pas voir les gens avancer, vous avez tapé poteau. Poteau dans poteau, hein, le maquillage qui va avec, c'est de ça qu'il s'agit. Ça va retourner contre Makosso. Tout ce qu'il est en train de planifier, mais ça va se retourner contre nous parce que Dieu a déjà coupé les liens. On va prêcher ce matin. Eh oui, on va prêcher ce que. On va te délivrer. Et tu es déjà délivré. Tu es délivré. Oui, Makosso, tu es déjà délivré. Ton amour là, ça prend plus. Tu es tombé. Ton pouvoir est fini. La sorcellerie en plein direct. Ouais, il faut vivre pour croire. C'est quand tu es dedans là. C'est quand tu es dedans là. C'est ça. C'est ça qui est là. Ça va retourner vers vous-même. Retourne à l'envoyeur. Ish! Retourne à l'envoyeur. Partagez la vidéo, mettez le cœur. Et le maquillage, pourquoi ce maquillage? Même le maquillage m'a étonné. Mon maquillage d'aujourd'hui là, c'est étonné. On peut se maquiller comme ça. Ah! Même maquillage m'a étonné. Retourne à l'envoyer. Retourne à l'envoyer. Retourne à l'envoyer. Mon Dieu, toi tu sais que nous n'a pas problème avec quelqu'un. Au nom de Dieu, ça va retourner vers eux. Retourne à l'envoyer. C'est le retour à l'envoyer. Retour à l'envoyer. C'est retour. Et ça va retourner vers où? Ça va retourner que le mal que vous souhaitez à l'enfant là, ça va retourner vers vous. Votre sorcellerie, vous êtes dedans là. Voilà. Donc quand vous voyez les grimaces de Makosso, la jalousie et la haine, parce qu'aujourd'hui là, il y a de grandes personnes, il y a des stars qui soutiennent Apoutchou et ça lui fait mal. Et les graisses, les greillants, c'est-à-dire que c'est installé. Quand je dis cite, ils citent le nom de Mola. Il cite le nom de Mola, il cite le nom de Sérédier. Parce que toutes ces personnes-là, ils soutiennent Apoutchou. Oui, voici la jalousie.
a nominé Apuchu dans le primate. Il a nominé Apuchu dans le primate là, je ne sais pas comment on dit primate ou bien promettre, ce qu'il écrivait là-bas. Et il voit que l'enfant est bien parti. Ils ont commencé à faire les sorcelleries. Qu'ils ont fait si DJ Arafat, qu'ils ont tout fermé sur eux là. C'est ça, ils ont commencé à faire si Apuchu parce que son étoile a commencé à briller. Parce qu'ils ont vu que l'enfant là, il a commencé à aller de l'avant. Makoso a commencé sa sorcellerie pour pouvoir tout fermer sur l'enfant. Il veut tout bloquer. Quand vous écoutez ces propos, le nom de Mola cherche quoi dedans? Le nom de Serédier cherche quoi dedans? Le nom de Coach Amouchi cherche quoi dedans? Parce que ces personnes-là, ils soutiennent Apuchu. Donc, ils veulent tout faire. Ils veulent tout faire pour gâter. Parce qu'ils se disent qu'il est le seul. On ne doit pas l'aider. Mais quand tu parles de manque de respect, mais Apuchu t'a dit la vérité. Il t'a trop respecté. Makoso, ne sois pas ingrat. L'enfant là, il était toujours reconnaissant vers toi. Il n'a jamais nié l'aide que tu lui as fait là. Il était reconnaissant, il t'a dit. Toi, ton merci ne finit pas. Toi, tu parles de respect là. Toi, tu respectes les gens. Toi, tu parles de respect là. Est-ce que toi, tu respectes? Mais toi, ton merci là, c'est-à-dire que quand tu rends service là, ton merci ne finit pas. Ou bien toi, ton service là, c'est un pacte que la personne a signé avec le diable. Parce que toi, tu es un diable en personne. Tu es un diable en personne. Donc, quand toi, tu rends service à quelqu'un, c'est comme si la personne a signé le diable, a signé le contrat avec le diable. Donc, il a signé le contrat avec le diable que tu es. Du coup, toi, ton merci, là, ça ne doit jamais finir. Si la personne est collée à toi à vie, c'est pourquoi? Toi, tu as dit dans ton interview que Apuchu n'a qu'à dissocier ton image. Tu dissocies ton image à Apuchu à vie. C'est-à-dire que c'est la mort. Vous allez vous trouver au paradis. Vous allez vous trouver au paradis et vous allez régler ça devant Dieu et ses apôtres. Toi, un homme de Dieu qui fait sortir de sa bouche que je dissocie mon image à Apuchu à vie, à Dama. Mais l'enfant vient te dire ses vérités. Et puis ça te pique. Tu dis l'enfant t'a manqué de respect. Mais t'as pas manqué de respect. Parce que chez nous en Afrique, chez nous les Africains, quand tu dis la vérité à une grande personne, ils trouvent que tu l'as manqué de respect. Oui, ils n'aiment pas qu'un enfant leur dise la vérité. C'est ça qui est le problème en Afrique. On n'a pas vu un manque de respect qui t'a fait. On n'a pas vu un manque de respect. De la manière que tu l'as humilié, c'est de la même manière qu'il t'a répondu. Où est le manque de respect? Où est le manque de respect? Où est le manque de respect? Il n'y a pas de manque de respect. Il n'y a pas eu de manque de respect. Il t'a trop respecté. Il t'a trop respecté. Mais toi, tu veux lui faire du mal. Mais quelqu'un que tu veux le rendre la vie difficile. Tu veux lui faire du mal. Donc lui n'est qu'à s'asseoir pour te regarder. Quand tu l'as, je t'appelais mon fils. C'est toi tu l'as mis au monde. C'est toi tu l'as mis au monde. Tu l'appelais mon fils parce qu'il travaillait pour toi. Tu l'appelais ton fils parce que c'est une manière de l'encourager pour aller faire de faux boulot pour toi. Mais il s'est rendu compte que il est en erreur. Il s'est rendu compte que il a fait quelque chose qui n'est pas bien. Il veut se retirer. Toi, tu ne veux pas. Il veut se retirer. Toi, tu ne veux pas. C'est de la même manière qu'aujourd'hui, là, on traite Ariane Chenet de Judas. Parce qu'il a eu à travailler avec DJ Arafat, père à son âme. Et maintenant, il veut voler de ses propres ailes.
Il veut travailler, il veut être indépendant. Aujourd'hui, les Chinois le traitent de Jida. C'est la même manière que Makoso veut transformer Abuchu. Mais le jeune, il ne veut pas. Et Dieu ne veut pas. Et toi, tu veux forcément. Et tu trouves qu'il t'a manqué de respect. Donc toi, ton merci là, ça ne finit pas. Partagez la vidéo, le thème qui va avec. Toi, ton merci là, ça ne finit pas. De la même manière, vous avez harcelé. Vous êtes assis sur la vie de Dj Arafat. Vous avez tout fermé. Vous avez tout bloqué. Parce qu'il ne voulait plus vous suivre. Parce qu'il ne voulait pas ce que vous voulez. Il n'a pas voulu ça. Aujourd'hui là, vous l'avez conduit à la mort. C'est la même chose là. Vous voulez faire Abuchu. Mais vous êtes vaincu. Mais vous êtes vaincu. C'est le nom d'Abuchu qui est dans ta bouche. C'est toi ton... Il dit, toi ton respect là, ça finit pas. Toi ton merci là, ça finit pas. Vous êtes là. Il vient faire ce scénario de la sorcellerie. Il vient faire ce scénario là. Vous savez, les diables, les démons, ils sont toujours comme ça. Ils font leur scénario pour avoir la compassion. Ils font leur scénario pour, hein, pour tirer vos sentiments. Ne tombez pas dans le piège de Makoso. Parce qu'il est très dangereux. C'est ça, hier, j'ai dit à Apuchu, quelqu'un que toi tu couvres, quelqu'un qui va te faire du mal, quelqu'un, parce que, hein, il t'a nourri hier, d'après lui, et tu viens l'insulter, il a ça sur le cœur, il a cette rancune. Hein? Et cette personne, tu le protèges. Au pays des gâtés, on gâte tout. Au pays des gâtés, on gâte tout. Makoso n'aime pas une personne simplement. Quand tu t'aimes, c'est pas profit, parce que c'est un profiteur. Quand il t'aime, c'est parce que tu dois faire un travail pour lui. Il n'a pas d'amour pour quelqu'un. Il n'a pas d'amour pour quelqu'un. Toi, tu le protèges, tu le couvres. Il t'a envoyé hier pour faire un sale boulot. Mais le boulot que tu as fait pour lui, Abuchu, ce boulot n'a pas reconnu ça. Aujourd'hui, là, parce que tu dois rentrer en Côte d'Ivoire en décembre, comme tu étais nominé au prix MITS. Aujourd'hui, Makoso, là, il porte plainte contre toi. C'est-à-dire que dès que tu mets tes pieds à Abidjan, là, il va t'arrêter. Il a commencé à t'intimider. Il a commencé à te menacer. Toi, tu le couvres. Au pays des gâtés, on gâte tout. Pendant que toi, tu le couvres, lui, il va te faire du mal. Faut continuer à le couvrir, à le couvrir, mon cher. C'est que si écrivait seulement. Continue à le couvrir. Lui, il va te détruire. Parce que maintenant, c'est rentré dans la politique. Il t'a dit qu'il est dans un camp. Hein? Il est dans un camp. Et dans le camp, il est là. Ces personnes-là, ils peuvent te faire du mal à leur retour. Toi, tu continues à le couvrir. Couvre-le bien. Couvre-le. Mais lui, il est en train de te gâter. S'il avait pensé le service, pendant que tu criais ici pour lui, là, s'il avait pensé ça, il n'allait pas vouloir porter plainte contre toi. Oui, il n'allait pas vouloir porter plainte contre toi parce que c'est quelqu'un qui n'a pas sentiment. Il s'en fout de l'aide que tu lui as rendue. Hein? Il s'en fout, aujourd'hui, il parle de plainte. Aujourd'hui, là, il parle de plainte. C'est-à-dire, lui, il peut parler. Il peut dire tout ce qu'il veut. Mais personne n'a le droit de lui parler parce que c'est lui qui gouverne la Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire, là, c'est pour eux. Donc, tu n'as pas le droit de lui dire tes vérités. Parce qu'il sait que la vérité que tu lui as dit là, il n'a pas aimé qu'on la plainte. Adama, Abila, on se reste tranquille.
voici le scénario. On va voir ce scénario. Tu n'as pas honte. Un enfant, il t'a tellement traumatisé. Il t'a mis à sa place. De la manière que tu as vendu les pasteurs, c'est de la même manière que tu voulais vendre les blogueurs. Tu penses qu'on n'a pas vu dans tes marmailles? C'est des personnes qui aiment la visibilité. Ces personnes qui veulent, oui, comme il a 2 millions d'abonnés, je vais le suivre. Ce sont les moutons, les moutonniers, les moutons notoires qui vont te suivre. Les moutons notoires, là, ceux qui n'ont rien compris, qui aiment se coller aux gens pour se faire de la visibilité, pour qu'on partage leurs vidéos, pour qu'on dise leur nom, là, ce sont eux qui vont te suivre parce qu'ils n'ont rien compris. Mais le moment où ils vont comprendre, là, c'est trop tard. Le moment où ils vont comprendre qu'ils sont, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas réfléchi avant de rentrer dans la soi-disant ligne de blogueur, là, c'est trop tard. Votre nom est déjà sur la liste des vendus. C'est là, là. Vous allez dire, hé, pourquoi je n'ai pas réfléchi? Pourquoi je n'ai pas fait ceci? Il vous a déjà vendu. On vous a déjà acheté. Il vous a déjà vendu. Il vous a déjà acheté. Sinon, c'est quel travail Facebook va payer les gens 15 millions de je ne sais quoi? C'est quel travail de Facebook? Facebook va vous payer quoi? Ce sont les mensonges de Makosa, vous écoutez? Ces mensonges, c'est ça, vous regardez? Si Facebook payait les gens à 10 millions, comme il a dit, Facebook paye Bravado à 10 millions là. Mais qui va travailler? Qui va travailler? Personne n'allait pas travailler parce qu'il y a l'argent sur Facebook. Personne ne va pas travailler. Nous tous, tout le monde va venir s'asseoir sur Facebook parce qu'on dit que Facebook paye 10 millions par mois. Derrière Poutou, tout le monde n'est qu'à le laisser. Où est le truc même? On va voir un peu ce scénario. Parce que c'est rentré dans une histoire de menace. De menace. Juste pour t'intimider. Ce qu'il est en train de dire actuellement là, c'est rentré dans l'histoire de menace. Il a commencé à menacer Apuchou. Il a commencé à l'intimider. Juste quand ça arrive dans l'histoire de plainte. À cause de petits vues là. Parce qu'il est arrivé à 24 personnes qui le suivent. À 30 personnes qui le suivent. Ou à cause de vues. On va tuer quelqu'un pour ça. À cause de vues. Donc, vous êtes envoûté à cause de vues. Donc, vous ne voulez pas voir quelqu'un monter. Vous-même. J'ai fait 23 000 vues à Boudjou, tu m'insultes. J'ai fait 44 000 vues. J'ai fait 39 000 vues. J'ai fait 35 000 vues à Boudjou. À cause de vues, tu m'insultes. Tu viens devant le monde entier, moi, ton père. Apuchou, la main qui t'a donné à manger, c'est moi. Moi, ton papa, Apuchou. Tu allais tomber dans la main des nouveaux papas. De Bordeaux est ton papa aujourd'hui. Vous voyez la jalousie, hein? C'est-à-dire tout ce qu'il est en train de faire, là, c'est la jalousie, en fait. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui le soutiennent. Ton papa aujourd'hui, c'est le dire à ton papa aujourd'hui. Un enfant peut avoir plusieurs papas comme ça pour tout. Je te fais quoi? À cause du comité. Mon fils. Mathieu.
m'a dit qu'il était qu'il en deuil. Quelqu'un m'a dit qu'il est en deuil. Mais attention, ce comportement de quelqu'un qui est en deuil. Dites-moi un peu. Quelqu'un qui a perdu quelqu'un, ce comportement de quelqu'un, c'est-à-dire tu laisses le mort et tu viens pleurer le nom d'un enfant. Si ce n'est pas la jalousie, si ce n'est pas la sorcellerie qui peut amener quelqu'un, père de famille, se ridicule, c'est-à-dire que c'est la ridiculisation tu es. On peut être ridicule comme ça. On peut être ridicule, un père de famille. À cause de quoi? À cause de vues. À cause de 24 personnes qui le suivaient. Tu veux tuer l'enfant là. Tout ça là, à cause de vues. Tu vas prendre le nom de l'enfant là pour envoyer chez tes marabouts là. Pour l'attacher, mais tu es vaincu au nom de Jésus. Ton vrai visage est sorti. Mathieu, tu as mis la photo? Mathieu, photo de la mauvaise beauté pour tout m'a quitté. Mon fils m'a quitté. Mon enfant m'a abandonné. Mon fils, donnez-moi mon enfant. À ta main, tu as envoûté mon enfant. Comment tu pourri? Tu vas donner mon enfant aujourd'hui. C'est parce que tu voulais l'envoûter. Tu veux le mettre dans ton cercle. Il dit, il ne veut pas. Tu voulais le mettre dans ton cercle. Il dit, non. Et tu ne veux pas le laisser partir. Tu ne veux pas le laisser partir. Parce que tu vois son étoile. Tu sais que c'est un enfant qui va aller c'est-à-dire de l'avant, de la manière que tu as brisé l'étoile des autres. Regardez. Les yaka yaka. Regardez. Comment ça s'appelle? Dominga. Elle n'avance pas, elle ne recule pas. Rien n'avance. Parce qu'elles ont collé leur image à ce vampire. Il ne peut pas avancer. Donc, comme l'enfant, il a compris tout ça, il veut partir, il ne veut pas. Comme mon fils, c'est toi tu l'as mis au monde. C'est toi tu l'as accouché. Tu veux l'attirer par l'émotion. De la manière, vous avez chiffonné Seni Krangba. Dieu merci, Seni Krangba, il a été désenvoûté. Dieu merci, Seni Krangba, il a été lavé. Peut-être que vous allez l'enfermer encore. Peut-être que Makoso, tu vas l'arrêter encore. Parce que vous savez, ils connaissent des choses. Ils savent tout. Mais vous voulez forcément fermer leur bouche. Et comme Apoutou a compris ça de loin, il veut se retirer. Tu ne veux pas. Tu ne veux pas. Tu ne veux pas. Tu as commencé à manifester ta sorcellerie. Et les gens vont te prendre par émotion. Eh oui, mais il faut regarder le visage des gens qui vont te prendre par émotion. Mais moi, je ne vais pas te prendre par émotion. Parce que tu es en train de faire de la sorcellerie. Tu es en train de pratiquer la sorcellerie en appelant le nom de l'enfant. Mais tu ne pourras pas parce que ce n'est pas toi tu l'as mis au monde. Ce n'est pas toi tu l'as mis au monde. Donc ta sorcellerie que tu es en train de faire là, tu ne pourras pas. Les gens, ils vont te prendre c'est-à-dire par sentiment. Mais nous on sait, tu es en train de manifester ta sorcellerie avec le nom de l'enfant. Il ne t'a pas fait quelque chose de mal. Mais pourquoi te mettre dans cet état diabolique? Regardons le regard d'abord. Le regard. Mais pourquoi te mettre dans cet état démoniaque? Pourquoi? À cause d'un petit? Parce que tu as dit la vérité? Parce qu'il ne veut plus faire partie de ton cercle? Mais ce n'est pas lui que tu vas sacrifier.
C'est pas lui que tu vas sacrifier. Il faut chercher encore ton mouton. Il ne sera pas ton sacrifice de l'année prochaine. Il ne sera pas ton sacrifice. Il faut chercher encore ton mouton. Parce que tu as déjà sacrifié 3 personnes. Les 3 personnes, on ne connaît pas leur véritable mort. 3 personnes là. Il y a des habits là même. Ça me, pardonnez habits d'aujourd'hui là, mon cher. On peut être affairé comme ça, on n'a pas le temps de chercher habits. C'est qu'est-ce? Concentrez-vous sur la vidéo. Hein? Il y a eu 3 morts. Il n'y a pas eu d'enquête. On ne sait pas qui a tué. Donc, tu cherches ton 4e sacrifice. En tout cas, il faut chercher encore. Mais il faut laisser enfant des gens. Il faut chercher encore. C'est-à-dire qu'il faut chercher, mais laisse enfant des gens. Parce que ta société que tu es en train de planifier là, on a vu dans ton jeu. Attends-moi! Mon enfant, il va faire vidéo. Mon enfant est devenu chanteur. Attends-moi! Attends-moi d'un pourri. Tu as pris mon enfant. Tu as envoûté mon enfant. Vous les nouveaux prophètes, vous partez à mon enfant. Que Dieu vous a parlé. Que moi je vais manger son étoile. Oui, tu vas manger son étoile. Parce que de la manière tu es agité, de la manière tu trembles sur toi, ça c'est les agitements. Ça c'est les démonstrations diaboliques et sataniques. Oui, ça c'est les démonstrations, partagez la vidéo, c'est les démonstrations diaboliques et sataniques. J'ai dit à Apuchou, tu seras attaqué. Mystérieusement, tu seras attaqué. Parce que ce qui est en train de commencer là, ce n'est pas du jeu, ce n'est pas de l'amusement. Ça va rentrer maintenant dans le spirituel. Il va commencer à l'affronter spirituellement. Je sais de quoi je vous parle. Parce que j'ai été plusieurs fois attaqué. Mais ils n'ont pas pu. J'ai été plusieurs fois attaqué. Et ce que ma conscience est en train de montrer là, ce sont les démonstrations diaboliques, sataniques. Il faut lui dire la vérité. Ne regardez pas pour... Ne le prenez pas pour sentimental. Pour un... Hey, Adama. Ne le sentimental pas. Donc, Apuchou, en tout cas, il faut prier. Dieu merci, ta maman est là, elle prie pour toi. Tiens, toi! Hey, hey. Attrapez-moi, hein! Attrapez-moi, sinon je vais faire! Apuchou! 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 Hé! Ta mère con! Où est la mauvaise là? Mon enfant, Apuchou, c'est à cause des 23 000 vues que tu m'insultes. Tu as vu le monde connecté. Mais il ne t'a pas insulté. Qu'est-ce que vous appelez injure? Dire la vérité à une personne n'est pas une injure, ce n'est pas de l'insulte. Il t'a juste dit la vérité. Il t'a juste mis ton visage dehors. Il était tellement gentil, il t'a même encore protégé. Il était même gentil. Il a eu un cœur. Il n'a pas mis les vocaux ou les vocales. Quand tu es allé le chercher en renfort pour venir te soutenir, il a eu un cœur. Il n'a pas mis les vocales. Sinon, il t'a pas insulté. Là, il t'a respecté. Il t'a pas manqué de respect. Et il a dit la vérité. Parce que toi, tu voulais le nuire. Toi, tu voulais éteindre son étoile. C'est quelqu'un le premier à le maudire, à s'attaquer à son business, à s'attaquer à sa chanson, à s'attaquer à lui-même. Parce que d'après toi, il est venu prendre crédit chez toi. Il est venu te demander de l'argent, mais il t'a remboursé. Mais tu es venu l'exposer quelque chose. Il est venu te demander en privé. Personne n'était pas là. Quand il est venu te demander, on n'était pas là. Mais tu es venu l'exposer. Tellement que tu es immature. Tellement que tu es méchant. Tellement que tu veux le détruire. Parce que tu vois son étoile est en train de monter. Parce que tu l'as appris. Comment marmailler. Et le marmailler est devenu le maître. L'élève a dépassé le maître. Et aujourd'hui là, tu veux éteindre son étoile. Mais ce n'est pas tout le monde qu'on doit anéantir. Tu as anéanti Seni Kramba. Tu as fermé sa bouche. Tu as cadonné sa bouche.
Aujourd'hui, là, on ne le connaît pas. En vacances, Sani Kramba parle. Tu vois les milliers de personnes. En vacances, Sani Kramba partageait les directs de Makoso en longueur de journée. Parce qu'il lui a donné l'ordre. Il lui a donné l'ordre. Quand je suis en direct, tu dois partager mes vidéos. Dès que je suis en direct, tu partages mes vidéos sur ta page. C'est la même chose qu'il voulait faire à Apoutchou. Mais Apoutchou a compris. Apoutchou, il a compris. Mais voilà Sarah Messan. Il a renié déjà. Makoso est avec quelqu'un par intérêt. Il ne se colle pas à toi parce qu'il t'aime. Par intérêt. La même chose aujourd'hui là. Il a renié. Il a renié Sarah Messan. Est-ce que vous attendez? Il parle de comment elle s'appelle là? La fille là. Enu Suzunon. En vain. Enu Suzunon, ma fille. Enu Suzunon, ma fille. Enu Suzunon, ma fille. Est-ce que vous voyez qu'il parle de Enu Suzunon? Non. Même quand il a cité les gens dans les trucs des blogueurs là, est-ce qu'il a cité le nom de Enu Suzunon? Non. Mais il dit que c'est Sarah Messan qui est la meilleure comédienne. Mais il n'a pas cité le nom de Enu Suzunon. Aujourd'hui, là, il ne parle plus de Enu Suzunon. Pourtant, en va, Enu Suzunon, ma fille, ma fille, ma fille. Mais Abila même, eh Seigneur. Abila aussi, d'ailleurs. Restez tranquille. On continue. Tu as oublié que je suis ton père. Tu t'es assis. Venez. Mon papa, là, c'est un voleur. Mon papa, là, c'est un escroc. Mon papa les vend âme en Israël. Mon papa là, mon papa là. Tu peux sortir de la maison pour aller monter le cuir de ton papa. Ah Poutchou, tu as monté mon cuir. Ah Poutchou, tu as monté mon cuir. Ah Poutchou, c'est encore dans un paiement. Voici ta présidente. Ah Poutchou, c'est encore des sorcières. Moi mon fils m'a quitté. Mon fils. On le frappe, je dis c'est mon enfant. On l'insulte, je dis c'est mon enfant. On le menace, je dis c'est mon enfant. Si vous le frappez, vous allez me frapper. Mon enfant a grandi. Mon enfant a connu que Facebook paye l'argent. Mon enfant m'a oublié. Il est devenu grand. Quand je parle, mon... Vous voyez la jalousie? C'est-à-dire que tout doit passer par lui. C'est-à-dire que là, ce sont eux qui doivent avoir tout. Personne ne doit les dépasser. Tous ces agitements qu'il est en train de faire là, c'est rempli de jalousie. C'est rempli de haine. Si aujourd'hui ton enfant prospère, il faut dire Dieu merci. Il faut dire Alléluia, Dieu merci. Mais pourquoi tu es en train de faire tous ces bruits à cause de vues? Il a eu 24 000 vues. Les vues, c'est quoi? Ou bien parce que Facebook lui parle, lui paye là, ça te fait mal à Dama. On peut être sorcier comme ça. On peut être sorcier comme ça jusqu'à ce point. En tant qu'un pasteur qui a des idées noires, qui n'aime pas voir son prochain avancer. Et quand on te dit que tu es un faux pasteur, ça te fait mal. Quand on dit que tu es un faux pasteur, un lanceur de Cori, ça te fait mal. C'est aujourd'hui là, on voit ton vrai visage. Aujourd'hui, on voit qui tu es. Et le monde saura plus tard. Tout ce que tu as fait dans le noir. Le monde saura parce que Dieu est en train de mettre ton cul dehors. Dieu est en train de t'exposer. Dieu est en train de montrer ton vrai visage. Dieu est en train de montrer que tu es un manipulateur. Tu es un profiteur. Et ça ne fait que commencer. Actuellement, tu es dans tout ton état. Tu es en train de vivrer. On dirait courant qu'on a branché. Tu es devenu vivrer. Ça ne fait que commencer. Tu n'as rien compris. Tu vas nous dire... Qu'est-ce qui s'est passé? Tu vas nous dire tout ce qui s'est passé sur ta femme. Ça ne fait que commencer. On dit Dieu là. C'est-à-dire qu'il agit lentement. Il agit lentement. Un bon matin, tu vas venir te confesser pour tout le mal que tu as fait à toute une famille. On continue. Mon enfant dit, tu n'es pas le maître.
moi je suis le big. J'ai dit mon enfant. Il dit, oh, pasteur égaré. J'ai dit mon enfant. Il dit, ferme ta bouche là-bas, chante. J'ai dit, ah, Poutchou. Il dit, ne m'appelle pas Poutchou. Appelle-moi désormais le dit. J'ai dit, mon enfant, tu n'as pas fini tes études. CP1 dernier, CP2 dernier, CE1 dernier, CE2 dernier, CM1 dernier, CM2 dernier. Sixième, tu n'es pas parti. Mon enfant, tu dis que tu es le guide. Papa, je suis devenu le guide des intellectuels. Quel intellectuel? Apama. Apama, Apama. Apama. Gamma, mon enfant, tu vas soigner Apama, tu as embouté mon enfant. Mon enfant a près de 23 000 vues. Est-ce que maintenant, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, on peut commencer? Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, est-ce qu'on peut maintenant commencer? Je pose la question. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, quand le lion dort, quand le lion est couché, ne provoque pas le lion. Tu verras ta bête, moi. Apoutou t'a traumatisé, hein? Apoutou t'a traumatisé même. Oui! Il t'a fait. C'est-à-dire qu'il a fait ça propre. Jusqu'à ce que tu deviens fou. Il reste un peu, tu vas marcher avec caleçon. Tu vas marcher nu. Il reste un peu, tu vas marcher nu. Il t'a traumatisé jusqu'à ce point. Il t'a lavé jusqu'à ce point. Juste regarde dans le tas dans lequel tu es. Tu n'es plus rien. Oui, c'est avant que les gens avaient peur de toi. Oui, c'est avant que tu faisais trembler les gens. Tu mettais la peur dans le cœur des gens. Mais aujourd'hui, tu n'es rien. Parce que ce que tu comptais dessus là, c'est fini. Le pouvoir que tu comptais dessus là, c'est fini. Tu n'es plus rien. Tu ne fais peur à personne. Même Seni Kramba dans ta bouche. Seni Kramba dans ta bouche. Mais il te dit ses vérités, oh wa. Il te dit ses vérités, oh wa, parce que tu n'es rien. Regarde petit truc qu'il t'a dit là. Tu as vieilli un coup. Ton vrai âge est sorti. Tu as vieilli un coup. Quand on te rend, on sait que tu t'en vas dans les 70 ans. Ton vrai âge est sorti. Tu as vieilli en un seul jour. Tu as vieilli en un seul jour. Makoso, retourne au Bénin. Retourne au Bénin. Parce que le maraboutage, le marabout n'est pas plus fort que Dieu. Le marabout que tu adores là, il n'est pas plus fort que Dieu. Le marabout que tu loues, le marabout que tu pries, et puis tu pries Dieu là, il n'est pas plus fort que Dieu. Parce que c'est Dieu même qui a créé le Satan. C'est Dieu qui a créé marabout. Donc tu vas penser que ton marabout est plus fort que Dieu, mais il n'est pas plus fort que Dieu. Tu as tapé poteau. Rien ne va marcher. Rien ne va arriver à Poutchou. Donc il faut te mettre dans tous les états que tu veux. Tes menaces à deux balles là, ça va te retourner contre toi. Parce que avec toi, une fois que la personne dit la vérité, tu commences à menacer la personne. Et on sait que tu as commencé à menacer Apoutchou. On sait que tu vas menacer sa maman. Oui. Mm-hmm. Tu vas menacer la maman d'Apoutchou pour qu'elle parle à son enfant. Parce que les menaces ont déjà commencé. Tu as commencé à l'effrayer. On peut être sorcier comme ça. Maintenant, Makoso a tapé Dumba poteau. Poteau n'en poteau. Tu n'es plus rien. Tu n'es plus rien. Nyakanipou, nyaka. Yéa, Poutou. Apama. C'est avec moi, là. Toi, tu veux être moi, ma présidente. Apama, apama. Regardons le rire d'un sorcier. On peut maintenant commencer le match. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je suis Camille Makoso. On s'en fout. L'icône de toute une jeunesse. Le père spirituel de la Chine. Tu n'es pas l'icône de toutes les jeunesses. Hein. Tu n'es pas l'icône. Il faut faire rectification. Rectification. Tu n'es pas l'icône de toutes les jeunesses.
Tu es l'icône des brebis égarées parce que tu es le chef des brebis égarées. Ne dis pas que tu es l'icône de toutes les jeunes. Il faut faire la rectification. L'icône des brebis égarées parce que tu n'es pas mon icône. Tu n'es pas mon icône. Donc ne dis pas l'icône de tous les jeunes. Maudia. Je suis le tai chi des pasteurs. Je suis le père de la mamaï. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Je veux voir les cœurs. Je veux voir les cœurs. Cliquez ici, partagez. Mon fils hier, il a dit, si vous ne partagez pas la vidéo là, j'ai envie même de m'arrêter. J'ai envie de m'arrêter. Apoutou. Oh, aidez-moi. Je vais mourir. Mon fils m'a insulté. Mettez-moi les cœurs. Il t'a pas insulté, t'as dit la vérité. Il ne t'a pas insulté. Il t'a dit la vérité. Il t'a dit ta marmaille. La manipulation que tu fais aux gens. C'est ça, il a dit. Il t'a pas insulté. Hein? Dieu, la vérité, c'est pas injure. Oui. Dieu, la vérité, c'est pas injure. On t'a vu ici. Toi, tu dis qu'il t'a manqué de respect. On t'a vu ici. T'a insulté Emmanuel Kita qui ne t'a rien fait. Tu l'as insulté ici. Tu l'as dénigré ici. Ça, c'est pas un manque de respect. Ok. Mettez-moi les cœurs. Hey, c'est Dieu, mon enfant. Mola. Mon enfant m'insulte. Il fait quoi? Pardonnez. Mettez les cœurs. Hey, Mathieu. Enlève la photo de cette sorcière-là. Viens. Rimbo, rimba, sa coquine de breka, tout kakanda, coquine kappa. Dieu vaincu aujourd'hui. Dieu vaincu demain. Mes amis, je suis celui qui donne des vues. On m'appelle El Pipi du haut. Est-ce que les vues là, ça met quelqu'un au paradis? Les vues là-haut, ça amène quelqu'un au paradis. C'est à cause des vues là, tu es en train de trembler comme ça. Les vues n'amènent pas quelqu'un au paradis. Oui, si vous êtes possédé par les vues. Vous êtes possédé par les vues là. Mais laisse-moi te dire que le jour que tu vas mourir, tu ne vas pas aller avec les vues. Le jour que tu vas mourir là, tu n'iras pas au ciel avec les vues. Les vues là vont rester sur terre. Les millions que tu as là, ils ne vont pas t'enterrer avec. Ils ne vont pas t'enterrer avec. Ils ne vont pas t'enterrer. Oui, tu as mal. Tu es juste jaloux. Parce que serait Dieu, il aime le petit Apoutou. Parce qu'aujourd'hui, Mola avait aidé Apoutou. Mola l'a soutenu. Et aujourd'hui, il l'a nommé. Il était nominé dans les Primites 2021. Voici l'allégreur. Pourquoi il n'a pas nominé ta soeur? Pourquoi il n'a pas nominé Lolo Leder? Il n'a pas nominé la perroquet. Et puis c'est Apoutou qui l'a nominé. Pourquoi il ne t'a pas nominé à toi? Tellement tu es jaloux de toutes ces personnes qui sont en train de s'approcher, de faire avancer un peu Apoutou. Tu veux que ces personnes-là se retirent. Je suis un marmailleur. Mathieu, amenez-moi le lit sur lequel j'ai dit que je suis un marmailleur. Je vais aujourd'hui casser tous les papos. Parce que aujourd'hui là, attendez bien qu'arranger la caméra. Amenez-moi le lit où j'ai dit que je suis un marmailleur. Je suis un marmailleur. Je confirme, j'affirme, je persiste où je suis. Quoi? Bon, est-ce que le volume est bon? Aujourd'hui, mon enfant, élevé ici là, c'est avec quoi? Ton enfant, toi tu l'as mis au monde. C'est pas pour toi que tu as abandonné là-bas quelque part là. Toi tu cherches enfant garçon, puis tu as abandonné pour toi là-bas. Mais il faut laisser enfant des gens, le calibre plus de toi. Tu n'es pas son père. Tu l'as récupéré pour faire un sale boulot. Il t'a appelé papa. Maintenant il a grandi, il veut s'envoler de ses propres ailes. Tu ne veux pas. Si tu cherches enfant garçon pour toi que tu as abandonné là, il faut aller le récupérer. Tu cherches enfant garçon là, pour toi que tu as abandonné là, il faut le récupérer. Il faut laisser le nom d'enfant détruit.
Il faut laisser, il faut arrêter de pratiquer la sorcellerie sur le nom d'enfant détruit. Va chercher pour toi que tu as abandonné là. Tu cherches un enfant casse puis tu as abandonné pour toi. École de quoi? La mamaï. J'ai même écrit un livre que je suis un mamailleur. Pourquoi aujourd'hui on me dit ça? Faites les captures, mon enfant vit 25 000 personnes, mon enfant est devenu fou. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, on va maintenant prendre un air sérieux parce que l'heure est grave et l'heure est sérieuse, s'il vous plaît. Mathieu, Mathieu, je pose la question ici. En temps normal, est-ce que le général doit répondre à son fils? En temps normal, est-ce que moi, général Camille Makosso, je dois venir m'asseoir pour répondre à mon fils? Parce que tu es tombé, parce que tu n'as plus rien. Voilà. Tu n'as plus rien, le petit t'a déshabillé. Il t'a mis nu. Il a pris ton huile de motel, huile du Nord là, pour te laver avec. Oui, tu ne peux pas. C'est un enfant de Dieu. Il prie. Donc tu as essayé de tout faire. Tu l'as combattu spirituellement. Tu l'as combattu spirituellement, mais tu n'as pas pu. Oui, tu n'as pas pu. Parce que tu sais qu'il est, c'est-à-dire que son âme est fort. Maintenant là, tu viens maintenant faire ça publiquement. Tu vas appeler son nom là. Tu vas prendre pour voir ça chez tes marabouts là. Mais tu ne pourras pas. Non. Hier, j'étais en prière parce que j'ai été malin. Pour ne pas être tenté d'aller suivre. J'ai fait la programmation de 15 autres personnes qui devaient m'appeler pour prier. De 19h à 20h30. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas encore eu le courage d'aller écouter ce que mon fils a dit. Parce que plusieurs m'ont amené des messages pour dire, mon général, l'enfant a dit des choses qu'on ne peut pas dire. Quand tu nous dis que si tu devais le répondre ou pas, mais tu le réponds parce que tu voulais faire plus de vues que lui. Puisque tu es en compétition avec Apuchou, tu es en concurrence de vues avec lui. Lorsque toi tu as fait ton direct avant-hier, tu as fait combien de personnes qui te suivaient? 14 000 personnes, pourtant tu es le maître d'après toi. 14 000 personnes seulement qui t'ont suivi. Donc quand tu as vu le direct d'Apuchou, où il y avait 24 000 personnes qui le suivaient, tu es tombé dans le combat. Tu as tellement mal que tu ne croyais pas que tu pouvais faire 14 000 personnes. Parce qu'il t'a combattu. Donc maintenant, tu veux faire quoi? Tu veux faire un renfort. Tu veux faire une concurrence. Tu t'es mis en deuil. Tu as mis une autre stratégie en place. Tu t'es mis en deuil. Comme ça, les gens vont penser, qu'est-ce que lui a fait? Qu'est-ce qu'il a fait ceci? Qu'est-ce qui lui arrive? Donc tu es revenu. C'est pour ça que tu as fait 30 000 vies. Voilà. C'est ça. On connaissait déjà ta marmaille. Oui. On connaissait déjà ta marmaille. Mais aujourd'hui, je ne vais pas rentrer. Faites tes cartouches, s'il vous plaît. On a fait... Mais quand tu dis que tu insultes quelqu'un qui t'a fait du bien, Apuchou aussi t'a fait du bien. Il t'a fait du bien, mais il te protège toujours. S'il veut mettre ton cul dehors, là, tu vas finir à la maca. Si Apuchou voulait te dévoiler, si il voulait vraiment te dévoiler là, toi tu vas finir ta vie en prison. C'est pas la première prison que tu as fait et puis tu as eu la chance, la guerre est arrivée et puis tu t'es échappé. Tu allais te retrouver à l'hôtel de Goff. Tu allais retrouver les ados à l'hôtel de Goff. Puis tu as dit non que ce sont les gens de Babo qui voulaient te tuer. Hein? Et puis tu as commencé à montrer tous les gens de l'autre côté. Il faut dire merci parce qu'il y a eu la guerre. Donc là, il n'y a pas eu de jugement. Tu as fui, tu t'es échappé de prison. C'est ça qui a été ta chance. Et quand tu t'es échappé, tu allais où? Tu allais te réfugier à Goff et tel là-bas pour aller trouver les gens qui sont là-bas en disant que toi, tu connais les gens. C'est ça. Mais si Apuchou voulait te faire du mal, mais s'il a fait sortir toutes les preuves, Adama, toi tu vas faire ta prison en vie. Les trois personnes là qui sont mortes là, ah, toi-même tu connais ton sort. 30 000 personnes, je veux qu'on monte jusqu'à 30 000 personnes. S'il vous plaît, je vous demande de mettre les cœurs, s'il vous plaît, mettez les cœurs. Parce qu'ils vont signaler la vidéo. Aujourd'hui, ils ont un groupe pour signaler les vidéos. On m'accuse de vol.
Patrice Mouche a partagé dans 3000 coups. Merci beaucoup, ma soeur. Pour la première fois devant le monde entier, permettez-moi, s'il vous plaît, je sais que parmi vous, beaucoup ont une opinion très arrêtée de moi. Je suis un voleur et autre. Mais je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Pardon. Même le condamné à mort, on lui donne au moins 10 minutes pour parler. Le condamné à mort. Je vais dévoiler des choses aujourd'hui. Vous ne connaissez pas Camille Makosso. Vous ne connaissez pas qui est Camille Makosso. Vous ne connaissez pas qui est Camille Makosso. Je parle pas beaucoup. Oh, attends. On sait que tu parles pas beaucoup. Mais aujourd'hui, on te connaît, on sait qui tu es. Tu as dit. Je parle pas beaucoup. Aujourd'hui, toi, tu vas. C'est-à-dire que tu mets ces vidéos qu'il a fait avant, tu fais les vidéos en arrière. Maintenant, si lui, maintenant, il veut rentrer aussi dans le même. C'est-à-dire que dans la gamme que toi, tu te mets là, toi aussi, ça ne va pas t'arranger. Ça ne va pas t'arranger. J'ai trop d'audio. J'ai le tour. Je ne sais même pas ce que je vais jouer. Calmez-vous. J'ai trop de choses. Mais aujourd'hui, même si je suis un voleur, écrivez mon général, parle, je vais parler. Faut parler. Écrivez. Je ne vais pas parler longtemps parce que tout simplement, je sais que vous avez beaucoup à faire. Mais je vous demande simplement, s'il vous plaît, pour permettre à ce que Facebook ne puisse pas bloquer la nationale, d'où le général et le président d'honneur. Nous sommes dans une campagne ouverte où chacun fait des propositions. Pour que les blogueurs et les influenceurs ainsi que les acteurs des réseaux sociaux puissent voir où j'ai mon intérêt. Hier, de mardi à hier, il y a eu au total 19 vidéos que mon avocat a pris le soin de réceptionner. Mmh. 5 personnes de la Côte d'Ivoire seront interpellées dans les jours qui viennent. Oui. Je donne l'information. Hein? Parce que ce que nous sommes en train de construire, nous n'allons pas aller à l'abattoir. Je vais vous montrer aux gens que je suis au pouvoir. Je vais maintenant prouver ça. Mais on sait que tu es au pouvoir. Raison pour laquelle tu es actuellement là, tu sais que tu es en train de menacer Apoutchou. Tu es en train de le menacer. Tu es en train de l'intimider pour qu'il vienne te demander pardon. Je sais. Tu es en train de menacer sa maman pour qu'elle parle à son enfant. On te connaît pour ça, tu as fini des menaces. Si c'est vous là, on vous connaît. Parce que c'est vous qui êtes au pouvoir. Parce que la Côte d'Ivoire, là, ça vous appartient. Donc, personne ne peut parler. Personne n'a le droit de parler. Donc, ça, ce n'est pas nouveau. Je vais démontrer ça par A plus B. Tu as donné mon nom. Tu as mis ma photo. Tu as venu répondre. Qui que tu sois. Il y a deux cas. Soit j'amène ma camorra et reste ça dans la rue. Mais ce n'est pas une bonne idée. Mais je préfère parce que je suis un chef d'entreprise. Tu attaques mon nom, tu gâtes mon business. Tu attaques mon business, tu vas répondre. Donc toi, tu attaquais business là, Poutchou là-haut. Tu attaquais son business, non? Tu as trouvé ça normal. Tu vois de combien de fois ça fait mal quand tu attaques au business de quelqu'un. Quand tu attaquais son business, tu l'as insulté, tu l'as maudit. Donc ça fait mal. Donc à ton tour là, la personne va aller répondre devant la justice. La personne va leur répondre devant la justice. On peut être bipolaire comme ça. La guerre, ça prend une autre forme. Et nous, la forme qu'on connaît, c'est la forme de Ividéo. Mais en ce qui concerne mon fils, jamais quelqu'un osera le toucher ou même essayer. Pourquoi? Je suis son papa. Mais tu dis que quelqu'un ne pourra pas le toucher, mais tu as apporté plainte contre lui. Hein. Tu as apporté plainte contre lui. Quand tu dis que c'est ton enfant, tu ne dois pas porter plainte contre ton enfant. Oui. Parce que quand un père est en erreur, on lui dit la vérité. Quand même ici, les blancs, là, ils disent la vérité à leur papa. Mais toi, tu portes plainte contre ton enfant de pouvoir. C'est quand même marimaille ça. On peut être bipolaire comme ça. Ce qui va dire que moi, je reste son père. Mmh.
Tu restes son père là où il t'a dit qu'il a la mendiacité de papa. Il t'a dit qu'il recherche papa. Il t'a dit qu'il recherche un nouveau papa. Ou bien c'est quoi cette sorcellerie là? C'est ton enfant? Mais il faut le libérer quand il reste mon père, il reste mon père. Ou bien tu l'as déjà mis dans ton canari là. Tu l'as déjà attaché dans ton canari, donc il n'a pas le choix de se détacher. Tu l'as envoûté, mais les liens de ton envoûtement là s'est coupé. Si aujourd'hui on m'appelle, on dit « Ah, Makoso, ton fils a fait un accident. Vous croyez que je serai heureux ?» Si Stéphane, aujourd'hui on t'appelle, parlons vrai. Toi et moi, laissons la marmaille. On se connaît. Mais pourquoi même, mais pourquoi tu prends l'exemple si un accident? C'est-à-dire que tu as tourné jusqu'à... Et puis c'est si accident là que toi tu prends exemple. Hein? Tu n'as pas vu exemple sur autre chose, hein? Tu n'as pas vu quelque chose que tu vas parler. Mais pourquoi tu prends exemple sur un accident? On te tue en l'œil. On te tue en l'œil. Ce que tu es en train de planifier là, ça ne va pas arriver. Ce que tu es en train de préparer là, ça n'arrivera pas. Que moi, j'ai eu un accident, je suis veuf. J'ai perdu ma femme. Mes enfants n'ont que moi. Vous mettez en place tout un système pour me détruire, pour me salir. C'est toi tout. C'est-à-dire qu'il aime se jouer les victimes. Il aime se victimiser. C'est toi seul, tu es le plus. C'est toi seul, tu es en deuil dans le pays là. Quand on est en deuil là, on reste tranquille dans son deuil. Quand on est en deuil là, on ne met pas sa gueule dans tout. On ne met pas sa bouche dans tout. Toi, tu dis que tu es en deuil. Toi, tu dis que tu es off. Tes enfants sont orphelins. Tu as perdu ta femme, mais ta bouche est dans tout. Tu n'es pas le seul à être veuve. Si tous les veuves voulaient parler comme toi là, on n'allait pas s'en sortir, wallahi. Si tous les veuves faisaient tous ces bruits là, on n'allait pas s'en sortir. Quand on dit on est veuve là, c'est-à-dire on ferme sa bouche, on ne se mêle pas dans tout. Pour que mes enfants puissent être des enfants malheureux, qu'ils aillent à l'école et qu'on se moque d'eux, pour dire hier, Abdou a insulté ton papa. Voici aujourd'hui l'héritage que vous voulez laisser de ma femme à ses enfants. Merci. Nous sommes des Ivoiriens. Je suis un Ivoirien, vous êtes des Ivoiriens. Je n'ai jamais fait du mal à qui que ce soit. Je n'ai jamais pris mon téléphone pour appeler quelqu'un pour lui dire « Il y a quelqu'un qui m'a fait plus du mal. » Jamais. Je dis jamais. Aujourd'hui, c'est à moi. Vous vous rassemblez. Vous quittez le game et vous allez dans mon ministère. Ce n'est pas un homme de Dieu. Comme si vous avez un... Mais si aujourd'hui... Les gens rentrent dans ton ministère comme tu le dis. C'est parce que tu attaques aussi à leur business. De la manière que toi tu tiens à ton ministère là, ministère de je ne sais quoi. C'est comme ça lui aussi il tient à son business. Tu comprends? C'est comme ça il tient à son business. Il est venu te répondre sur ta vidéo. Toi tu dis tu demandes pardon. Quelqu'un que tu as dit que tu as dissocié ton image à vie de Apuchou. Donc il est venu décortiquer les vidéos. Il est venu dire que ton pardon là, il ne veut pas de ça. Ton pardon n'est pas sincère. Tu dis que tu dissocies ton image de lui. Lui aussi dit dissocie ton image, son image de toi. De un, tu l'as maudit. Tu as maudit son commerce, sa chanson, qu'il ne va pas évoluer, que ça ne va pas marcher. C'est ça, il est venu expliquer. Toi, tu viens te jouer les victimes. À chaque fois, tu te joues les victimes. À chaque fois, tu viens te victimiser. Mon frère, tu n'es pas le seul veuve. Il y a plein de veuves en Côte d'Ivoire. Il y a plein de personnes qui ont perdu leur femme. Toi, matin, ministre, tu as pris la mort de ta femme pour venir faire chanson. Tu as venu chanter comme si tu étais le seul veuve en Côte d'Ivoire. Tu n'es pas le seul. Tu es mon maître dans votre amitié pour peser et voir qui est homme de Dieu et qui ne l'est pas. Aujourd'hui, je vais parler avec mon cœur. Je me pose la question. Mais quand tu dis que tu es un homme de Dieu, là, on veut te voir dans les hôpitaux aller guérir les malades. C'est de ça qu'il s'agit. On veut te voir dans les hôpitaux aller guérir les malades. On a vu ici, tu as humilié Sani Kangba. Tu l'as arrêté. Tu l'as, comment on appelle? Tu l'as, les gens l'ont menotté. Et vous avez pris photo pour mettre sur les réseaux sociaux. On a vu ici. On a vu ici. Et c'est ça qui a fait aujourd'hui Sani Kangba pour parler de vous là. Il a peur parce que vous l'avez menacé.
On a vu ici, c'est un écran bas. Tu l'as amené ici, faire la vidéo, même sur Facebook, on a vu. On a vu ça. Maintenant, quand tu dis que tu es vrai, on devait te justifier à chaque fois là. On devait te justifier si tu es un vrai pasteur là. On veut te voir à l'hôpital, en train de prier et guérir les malades. Faut regarder Gédéon. Il est toujours dans la rue, en train de prêcher la parole de Dieu, en train de lire les versets bibliques. Toi, tu fais quoi? Toi, tu fais quoi? Ah, si c'est pas pour venir vendre huile de moteur, si c'est pas pour venir lancer au Cori, vendre huile du Nord, vendre huile de comment dire, huile d'activation, c'est pas ça active quoi, on sait pas. C'est toi, tu sais que ce que ça active. Au lieu de venir vendre huile, d'après toi, huile d'activation, tu prends ça, tu deviens riche là. À part ça là, on t'a jamais vu dans les hôpitaux en train de presser les malades. Et puis s'il vous plaît, vous allez me répondre. J'ai mis en prime une somme de 10 millions de francs CFA. J'aurais même appris qu'il paraît que je loue l'argent. Je vais louer dans des endroits... Mais toi, ton argent, tu ne gardes pas à la banque. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est la location d'argent qui me permet d'offrir des rangs vers ma fille. Est-ce que cet argent-là, vous êtes sûr que ce sont des vrais billets? Ce sont des vrais billets, ce n'est pas les faux billets. Ce n'est pas les faux billets. À chaque fois, ils viennent nous embrouiller. Ça. Vous êtes sûr que c'est les vrais billets? Parce qu'on ne comprend pas. C'est la location d'argent qui me permet de prendre des voyages en business class. Ou peut-être qu'on fait des broutages aussi en ligne pour avoir des billets d'avion. Peut-être. C'est pas bien grave. Ouais. Nous sommes des Africains. Je suis un peu grippé. Hein. Je suis un peu grippé là. Celui qui prouve par un témoignage concret, une preuve ou un témoin que je suis un faux pasteur, je lui offre 10 millions. Séance tenante. Tout à l'heure, je vais ouvrir le téléphone. S'il y a quelqu'un parmi ces 25 000 personnes qui nous suivent, à qui j'ai fait du mal, tu appelleras pour me dire quand, où, comment je te donne les 10 millions. S'il y a quelqu'un dont j'ai cherché la femme, la soeur, la cousine, tu appelles, tu donnes les preuves. Excusez-moi, je suis un peu grippé. Faut pas, j'ai fait comme maman la mauvrette. Je suis un peu grippé, donc c'est tout à fait normal. Je le mets à chaque fois. De 20 000 personnes connectées. Je suis aujourd'hui content et fier de m'adresser à tous mes enfants spirituels. Je suis l'ami de ton père Mola. Ton papa Cyril dit m'appelle Kiondo. Il y avait exact de 20 000 personnes connectées. Je suis aujourd'hui content et fier de m'adresser à tous mes enfants spirituels. Pourquoi? Il est dans un ordinateur qu'on a mes preuves, mes audios, mes cassements de papos, la preuve que je suis un voleur. Abouchou. D'abord, à 30 ans, on t'appelle Abouchou, ce n'est pas bon. Parce que les noms agissent. Un enfant à 30 ans dit Abouchou, Abouchou, il reste. Mettez le cœur, partagez, mettez le cœur. Tu dois te délivrer de la bêteté qui est rentrée dans ton corps. On ne peut pas être aussi bête qu'un enfant de 2 ans. Tu n'es pas moi. Mais quelqu'un que tu dis qu'il est bête. Quelqu'un que tu dis qu'il est bête. Et puis te fait trembler comme ça, Makoso. Hi! Est-ce que tu t'entends parler? Quelqu'un que tu dis qu'il n'est pas allé loin à l'école. Et puis tu trembles comme ça, qui vient te traumatiser comme ça. Jusqu'à tu entends de hurler comme ça, on dirait les bergers allemands là. On dirait les bergers allemands. Mais il faut savoir, tu dis qu'il est bête. Mais regarde comme il t'a mis au travail. Regarde comme il est en train de faire transpirer. Regarde comme il est en train de souffrir à Dama. Vous-même voyez ça. C'est qu'il est plus intelligent que toi. Parce qu'il t'a démonté, il t'a déconstruit. Je suis l'ami de ton père Mola. Ton papa Cyril dit m'appelle Diando. Celui chez qui tu as dormi. Voici tout ce qui lui fait mal. Hein. Voici tout ce qui lui fait mal. Voici sa jalousie. Hein. Son papa Mola. C'est-à-dire que son vieux père serait Dieu. Mais tout ça, ça a quoi à voir? Vous pouvez appeler après pour intervenir. M'appelle papa. Tu te mets sur la toile, tu m'insultes. Mais il t'a pas insulté. Que tu appelles mon parrain. Eux là, ils appartiennent à un parti. Ce parti là compte sur moi pour avoir l'électorat des évangéliques. Je te dis et je te le répète, je fais la politique. Mais tu as dit que Makoso veut identifier tous les blogueurs d'Afrique pour les vendre un nom politique. Mais il a raison. Il a raison.
Depuis qu'en fait de blogueur, là, il y a carte d'identité avec adresse des gens. C'est pas pour espionner les gens, ça. C'est pas pour localiser les gens. Mais la raison pourquoi qu'il te dit la vérité, ça te fait mal. Depuis quand il y a eu les influenceurs ici, il faut demander à Emma Louest si elle a une carte professionnelle d'influenceuse. Il faut demander à Edossi Yao. Il faut lui demander si elle a une carte professionnelle pour influenceuse. Il faut demander à tous les influenceuses là. Les Coco, Emilia et toutes. Est-ce qu'elles ont une carte professionnelle? Toi, ton histoire de carte professionnelle et des influenceurs, eux bloquent la sécurité où? Si ce n'est pas pour venir espionner les gens, si ce n'est pas pour venir prendre les gens pour aller les vendre, tu as venu crier dans l'oreille des gens, on dirait les bergers aliments là. C'est quoi ça? On est ensemble. Les bloqueurs du Cameroun vont soutenir Alassane Ouattara, un vote ici, mais je sais que tu as une voix intellectuelle un peu rap. Je vais te ramener comme tu dis toi-même que tu es très anabête. Mais nous, on sait que tu fais la politique. Parce qu'on ne connaît pas ta place. Tantôt, tu es pasteur, tantôt tu n'es pas pasteur. Tantôt tu es influenceur, tu es blogueur, tantôt tu n'es pas blogueur. Tantôt tu es politique. Nous, on sait que tu es un politicien. Oui. Tu es un politicien. Tu es un politicien. Oh, tous ces gens analphabètes, les gens qui ne sont pas nés à l'école, ils ne sont pas plus intelligents. Tu vas dire. Oui, mais c'est ça. C'est-à-dire que. Comme il voit aujourd'hui, Apoutchou, il est entouré. Tu as vu, tous les stars, ils sont avec lui. Tous les stars, les grands stars, même les grands footballeurs. Il regarde aujourd'hui Mola avec lui. Mola le soutient, il l'a pris comme son petit. Max Gradel, Max Gradel, c'est Apoutchou travaillait déjà avec Max Gradel. La dernière fois, il allait rencontrer la main d'Apoutchou. Avec Serédier. Donc, il veut éloigner tous ces stars-là. Il veut que tous ces stars-là n'ont qu'à s'éloigner d'Apoutchou. Vous ne comprenez pas la haine de ce vampire-là. Vous ne comprenez pas sa jalousie. Il est tellement haineux. Il est rancunier. Il est jaloux. Il ne veut pas voir quelqu'un avancer. Il veut être seul. Tu es mon enfant. Si je ne t'aide pas aujourd'hui, ce n'est pas bon. J'ai prescrit pour toi. Je t'informe que j'ai payé une place au niveau de l'asile de fous. Mais quand tu parles de fou là, quand on parle de fou, parce que c'est toi seul qui est, quand Apoutchou s'assoit là, il parle tranquillement sans être agité. Mais toi tu es dans tout ton agitement, hein? Tu es là, tu es en train de crier, on dirait un berger aliment, on ne te comprend pas. Donc le contraire là, nous on va appeler à Benjerville où ce n'est pas encore trop tard. Non, soyons sérieux, hein? Soyons sérieux, hein? On va appeler à Benjerville, il faut qu'on réserve une place là-bas pour Makoso. Parce que bientôt, il va commencer à marcher à poil. On doit appeler à Benjerville pour qu'on lui fasse une réservation. Parce qu'il va commencer à marcher à poil. Hein. Ah. Je ne mérite pas de parler, mais tu deviens danger. 23 000 personnes sont connectées à Poutou. C'est 23 000 personnes là qui te font mal, oh, go! 23 000 personnes là, ça adore, ça te fait trop mal. Souffre un peu. Tu as 23 000 personnes devant toi. On te dit, donne une seule preuve que Makoso est un faux pasteur. Tu viens faire les théories. Un homme de Dieu qui fait ceci, qui fait cela, c'est pas de ça on parle. Tu es l'enfant de Makoso. Tu as vécu dans la main de Makoso. Quand il a perdu sa femme, c'est toi qui défendais Makoso. Tu as quand même un audio, une conversation. Mais quand le jeune il va venir mettre les audios là, ça va t'arranger Makoso. Parce que c'est vous qui poussez les gens à venir mettre les audios. Toi Makoso, tu es sûr que quand Apoutchou, tu vois, c'est une manière de le, c'est-à-dire que de le pousser. Et qu'elle va venir mettre là, peut-être c'est pour le tuer en même temps. Quelqu'un que tu menaces déjà, tu menaces sa famille. Quand il va venir mettre les audios là, tu es sûr que un Makoso ça va t'arranger? Hein? C'est-à-dire que c'est les 23 000 personnes là qui te font mal jusqu'à tu veux mourir. 23 000 personnes qui l'a suivi là seulement.
Toi, tu as 2 millions de personnes qui te suivent. Et tu as 2 millions d'abonnés. Tu as 2 millions d'abonnés. Lui, il n'a même pas 1 million. Mais 23 000 personnes qui le suivent là. C'est à cause de ça que tu veux tuer enfin des gens. À cause de 23 000 personnes qui le suivent, Adama. La sorcellerie de ça. Pour 23 000 personnes, on veut tuer quelqu'un. Pour 23 000 personnes, on veut tuer enfin des gens. Parce qu'il y a eu 23 000 personnes qui l'a suivi. On peut être sorcier comme ça. Eh, hey, moi, mon habit d'aujourd'hui, là, vraiment. 24 000. Tu échanges. Tu démontres que Makosso est un faux pasteur. Tu as trahi la communauté internationale. Tu as trahi tes abonnés. Tu as trahi tes collaborateurs. Quand tu leur as dit que tu as des preuves. Et moi, j'étais amené à faire sortir les preuves. Je pouvais appeler Mola, avec qui tu as un contrat. Qui a aussi un contrat avec mon entreprise dans le domaine de l'audiovisuel. Pour dire Mola, si ton petit sort sur moi, c'est que j'estime que c'est toi qui l'as donné l'ordre parce qu'il est en contrat avec toi. Je ne l'ai pas fait. Je vais appeler Sérédia pour dire comment tu m'appelles grandeur puis tu laisses ton petit m'insulter. Toi qui es un profiteur, tu ne pouvais pas faire sortir une directe. Vous comprenez, non? Vous voyez la sorcellerie? Comme je suis mauvais, je veux voir dans ma mauvaise et dans ma marmaille si j'ai laissé des traces. Au moins, tu as 23 000 personnes. Des gens auraient pu te contacter en inbox pour dire Makosso, je le connais. Voici ce qu'il fait. Voici ce qu'il m'a fait. Tu as filmé. Voici quelqu'un qui dit qu'il a payé maison en France, mais qu'il loue maison à Abidjan. Tu aurais dû faire sortir la preuve que le gars. Il parle avec haine. Il parle avec haine. Dans le décès de sa femme, Makosso m'a fait des confidences que si je ne le défends pas, il ira en prison. Comment? Voilà, tu as pu dire des choses. Et donnez-moi un audio. Je pose la question aux téléspectateurs. Hier, les 23 000 personnes qui ont écouté, est-ce qu'une preuve est sortie? Une seule preuve. Répondez-moi. Est-ce que Apoutchou a fait sortir une seule preuve palpable qui démontre que Camille Makosso est un faux pasteur ou est un menteur? Une preuve. Tu as fait sortir la théorie d'un analphabète, d'un illettré, un enfant qui a raté son éducation à la base. Tu es venu nous confirmer que tout ce qui est bon est bête. Tu as fait écrivez mon général, je t'aime. On t'aime pas ici. On défie le lion. Dans un débat, chacun n'est qu'à venir casser les papos sur l'un. It's back. I'm down. The general is back. I am the general qui a mis ma vérité. Depuis 5 ans, on dit Makosso est un voleur. Aujourd'hui, il était inconnu. Il fait des vidéos, c'est 200, 300 personnes qui le suivent. C'est moi qui l'ai révélé au monde entier. Oui, il était inconnu, maintenant on le connaît. Il était inconnu. Tu l'as élevé. Tu l'as pris la marmaille. Il est plus fort que toi. C'est ça qui te fait mal. C'est ça qui te fait mal. Aujourd'hui là, il a fait sortir ton vrai visage. Et tu veux porter plainte contre lui. Où il a porté? Il dit qu'il va porter plainte là. Hein? Où est la partie où il a dit qu'il va porter plainte là même? Attendez. Hein. Ah, il y a quelqu'un qui... Ah, j'étais tellement concentré que je n'ai pas vu les appels là. Attendez. Je vais chercher l'audio. Où ça y est même? Nano Petit Pro 2 soutient la croissance de votre enfant grâce aux vitamines. Parce que l'enfant a fait fort, tu veux porter plainte contre lui. Tu veux porter plainte contre lui, c'est une honte. C'est la honte qui t'a... C'est-à-dire que c'est la honte totale. Je pense que depuis des années et des années, je regarde ta gestuelle, je regarde tes strates. Je suis pas méchant. Je vais pas tout dire aujourd'hui. Je vais garder des balles parce que hier tu as tiré toutes tes balles. Je me mets à avoir 1000 euros seulement. Je dis passe pas ma secrétaire pendant que j'ai aujourd'hui. Je me sens même gêné parce que j'ai le manteau d'homme de Dieu, j'ai le manteau d'influenceur. J'ai le manteau d'écrivain, j'ai le manteau de chef d'entreprise et j'ai le manteau de coach.
J'ai 5 manteaux sur moi. Je suis écrivain. Je ne parle pas pour parler. Voici mes 2 livres qui sont à l'édition sur Amazon. Voilà. Donc, quand je parle, on me dit que tu es un pasteur. Il faut quitter dans ça. Tapez maintenant sur Google. Facebook décide de donner une page qui sont à l'édition sur Amazon. Parce qu'il disait, enfin, aujourd'hui, quelqu'un qui a été dans l'angle de Camille Makosso viendra dévoiler Camille Makosso. Hier, pendant plus d'une heure, le monde entier, avec un ordinateur à la main, regardait un analphabète qui allait prendre le soin de dévoiler le tai-chi des réseaux sociaux, un pipé de haut, l'homme tombé du ciel sans blessure. Camille Makosso, tu es venu dire les mêmes choses que les gens racontent depuis toujours. Que Makosso est un marmailleur, que Makosso est un faux pasteur, que Makosso est un voleur. Mon frère, mon petit, il y a longtemps, on raconte les mêmes choses. Ce qu'on attendait de toi hier, c'était de nous amener la preuve, au moins un témoignage. Pendant les 23 000 personnes connectées, tu pouvais demander au moins à une personne de venir témoigner que cet homme est un voleur. Je demande à tous mes fans, à tous les guerriers, à tous les Chinois de bien vouloir écrire Camille Makosso, nous t'aimons. On ne t'aime pas ici, aujourd'hui on ne t'aime pas. J'ai perdu ma femme. Je pleure toujours ma femme, les gens n'ont pas pitié de mon deuil. Est-ce que vous pouvez me montrer? Ah, monsieur le deuilleux, monsieur le veuve. Donc pour toi là-haut, perdu ta femme, c'est devenu une chanson. Faut faire sortir musique en même temps, les gens vont danser. Tu n'es pas le seul veuve. Tu n'es pas la seule personne, le seul homme qui a perdu sa femme. Pour toi, c'est devenu une chanson. Pour toi là, c'est devenu une chanson. Sinon, on connaît les gens qui ont perdu leur femme qui sont dans leur coin. Mais toi, tu as perdu ta femme et tu ne respectes pas sa mémoire. Tu n'as jamais respecté sa mémoire parce que tu t'en fous. Oui, parce que tu t'en fous. Sinon, quelqu'un qui respecte la mémoire de sa femme, de la manière que tu viens te... Hein, sur les réseaux sociaux, là, ça prouve que tu n'as jamais respecté sa mémoire. Aujourd'hui, là, ma vie, ça a duré, parce qu'on est dans le décortiquage. Oui. La seule fois, à chaque fois que je réplique, je me défends. À chaque fois que je parle, je me défends. Stéphane a décidé que pour prendre le trône de l'homme le plus influent des réseaux sociaux, il faut tuer le roi qui est assis sur le trône, c'est-à-dire Camille Makosso. Je suis l'homme des dossiers. Mais il n'est pas en train de lutter la place avec toi. Monsieur le deuilleux, oui, monsieur le deuilleux, la seule, c'est-à-dire la seule personne dans le monde qui a perdu sa femme, il s'appelle Makosso, le veuve joyeux. Voici le nom fétiche. Le veuve joyeux. Oui, le veuve joyeux. Toi, tu es un veuve joyeux. Tu es content. Parce qu'après la mort de ta femme, tu es devenu riche. Jusqu'à tu montes l'argent, le veuve joyeux. Monsieur le deuilleux, toi, ton deuil là, c'est devenu chanson. Il faut dire à Debord, il va faire sortir musique de ça en même temps. Donc, c'est à cause de c'est-à-dire que c'est toi, tu luttes avec Apuchu. Apuchu ne lutte pas avec toi. Apuchu ne lutte pas avec toi. Le contraire, monsieur le deuilleux, le veuve joyeux, El Diablo, c'est toi, tu luttes. Fauteuil de Facebook avec Apuchu, monsieur le deuilleux, c'est pas Apuchu qui lutte avec toi. Oui, depuis qu'il a fait 23 000 vues, l'enfant ne peut plus dormir. Depuis qu'il a fait 24 000 personnes qui le suivent, l'enfant là, tu perturbes son sommeil. Tu perturbes son sommeil, tu fais concurrence avec ton petit frère. À cause de Facebook que Marc Nzongo il a créé pour vous donner là. Tu veux tuer enfant des gens. Libère l'âme de l'enfant là, monsieur le deuilleux. Le veuve joyeux. Oui, le veuve joyeux. Il n'y a pas quelqu'un qui est directeur ni directrice des réseaux sociaux. Mais toi, tu as pris ça pour charger sur ta tête. El Diablo. Vous avez fait le nom fétiche est sorti. Le nom fétiche, le veuve joyeux. Toi, tu es un veuve joyeux. Le veuve, écrivez là-bas le veuve joyeux. Parce que tu as levé le petit nom que je ne voulais pas dire là. C'est sorti. Oui, le veuve joyeux. Tu as sacrifié enfin des gens pour devenir riche. Tu ne veux pas laisser son âme se reposer. Tu veux pas laisser son âme se reposer?
Merde à la fin. Je prends un dossier au Gabon, je tape pas poteau. Je prends un dossier en Santa Fe, je tape pas poteau. Je prends un dossier de famille. Toi-même, dossier même que tu as pris là-haut, tu ne termines pas les dossiers là. Voici le dossier de comme il s'appelle qui est là-bas. Comme il s'appelle Tenor. On ne voit pas le résultat. Dossier de la petite fille qui a été violée. Fabienne, tu ne nous as pas encore donné les résultats. Il y a plein de dossiers où tu as tapé poteau. Donc ferme ta gueule. Le veuve joyeux. Veuve joyeux. Quand je tape pas poteau. En date de temps, il a fait telle chose. Voici les preuves. Aucune preuve. On était dans les analyses. Écoutez la vidéo qu'il a dit ici. C'est moi qui ai dit. J'ai dit que je vais prendre les pasteurs. Écrivez le verbe joyeux El Diablo. C'est normal. Parce que l'argent de l'État est doux. J'ai pris 2 milliards. Ce dimanche, je vais avec des pasteurs en Turquie pour faire un pèlerinage. L'argent de la marmaille. Écrivez-vous tous. Vive la marmaille. C'est normal de prendre l'argent de l'État. Mais pourquoi ça te fait mal? On dit que tu es marmaillé, puis ça te fait mal. Il faut assumer ta marmaille. Veuve joyeux, El Diablo. Assume ta marmaille. Ok? Assume ta marmaille. Il y a des associations de jeunes pour vous qui vont soutenir les actions du gouvernement. On ne peut pas venir s'asseoir pour dire non. Non, 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 non. Ce que je dis, j'apporte les preuves. Mathieu! Quand c'est présenté, regardez, ils sont venus signaler encore, mettez les cœurs, pompez les cœurs, et tous ceux qui mettent les cœurs, que l'Éternel protège vos familles pendant cette fin d'année, cliquez ici, partagez, regardez à droite ici, cliquez partagez dans le groupe, et cliquez dans tous les groupes, je veux voir tout le monde partager dans le groupe jusqu'à ce qu'on vous bloque, partagez dans le groupe jusqu'à ce qu'on vous bloque, ce reçu là, est la décharge de mon fils. Il y a plus de... Donc, reçu qu'il est venu mettre là, là. C'est quand Apoutchou allait lui demander crédit, là. Voici, il est venu afficher. Eh, hey, veuve joyeux, ton cœur est noir, hein. Veuve joyeux, ton cœur est noir. Tu ne peux pas rendre service à quelqu'un et venir exposer sur les réseaux sociaux. Ton cœur est trop noir. Même pas 7 mois. Mathieu, le crédit, la date de quel mois? C'est mon fils. Ne me dites pas. Ne faites pas de commentaires. Vous m'écoutez jusqu'à la fin. C'est mon fils. Mon fils lance une marque de vêtements. Il dit, papa, j'ai besoin de toi. J'ai dit, mon fils, tu as besoin de combien? Il dit, papa, donne-moi 1000 euros seulement. Il dit, passe voir ma secrétaire, prends. Rembourse quand tu veux. Mon fils est venu, je crois, en mars ou avril. Il a pris 1000 euros, il est parti. Quand il a commencé à m'insulter et qu'il a appris que je suis fâché, en juin, il court, il s'en dit à ma secrétaire, voici l'argent. C'est mon fils. Je ne l'ai jamais encaissé. Je n'ai jamais dit mon fils, ramène mon argent. C'est mon enfant. Mais tu donnes crédit à quelqu'un et tu lui fais signer un papier. Mais tu donnes que je suis à ton enfant. Pourquoi tu t'en signes un papier encore? Ce n'est pas pour venir l'exposer après. C'est pas pour venir l'humilier après. Tu lui as donné, toi, tu dis c'est ton fils. Tu lui as donné quelque chose en secret. Mais que ça arrête entre vous. Pourquoi tu viens maintenant l'exposer? Tu viens maintenant. Mais ça, c'est les réseaux sociaux. On peut être méchant comme ça, le veuve joyeux. El Diablo. Pas de voleur. Mais on vient prendre l'argent de vol. On vient manger l'argent de vol. Et demander l'argent de vol, c'est pas bien grave. Je suis heureux. Retire-moi ça, s'il te plaît. Je suis content parce que 23 000 personnes ont été connectées et on n'a pas été capable d'apporter une seule preuve. À quoi de 23 000 personnes? Le faux pasteur, on le juge en fonction de ses actions. C'est-à-dire, en date de temps, il a fait telle chose, voici les preuves. C'est-à-dire que tu veux pousser le jeune à faire ce qu'il n'a pas envie de faire en fait. Oui, après, on trouvera que, ah, pourquoi tu mets les preuves? C'est comme ça, vous faites, et les gens commencent par enregistrer les gens. Vous faites ça, les gens vont commencer à enregistrer. Il est venu parler sans preuves. Il ne veut pas mettre ton cul dehors. Il ne veut pas t'humilier de la manière que toi, tu es en train de l'humilier. Sinon qu'il a les preuves. Aucune preuve. On était dans les analyses. Écoutez la vidéo qu'il a dit ici. C'est moi qui ai dit... Et puis toi, tu es derrière parce qu'il fait quoi? Il va te donner quoi? On te respecte quand les gens t'allument sur les réseaux sociaux, même si ma voix ne compte pas. Mais quand je parle,
Les gens disent Marco soit parlé. Ah mon chic, toi tu as me fait ça aujourd'hui. Toi. Ah mon chic aussi est dedans. Il y a des toutes les personnes qui sont autour de Dapoutou là, il va les attaquer. C'est-à-dire que c'est si à moins chic maintenant là. C'est à moins chic maintenant il attaque. T'assois, encourager un enfant à venir me déniguer, m'insulter parce qu'il a fait 23 000 vues. Toi, mon chic. Baissez. Faut te calmer. Faut te calmer si j'ai monté un dossier sur toi. Tu as pu sortir pour parler. Je te dis ça. Regarde-moi dans les yeux. Si tu ne crois pas, faut essayer. Pardon. Faut essayer. Donc là, maintenant, il s'adresse à coach à moins chic. Oui, il s'adresse à coach à moins chic. D'après lui, que coach à moins chic encourage à Poutou de l'inciter. Ou bien parce qu'elle a donné, elle a offert trois bouteilles de champagne à Poutou, cela veut dire qu'elle encourage, non? Elle ne l'encourage pas. Elle ne l'encourage pas. Donc, coach à moins chic n'a rien à voir dedans. Si tu as un problème envers coach Amouchik là, faut pas passer sur le discours de toi et puis à Poutou pour aller régler tes comptes. Pour aller régler tes comptes. Donc arrête de menacer coach Amouchik. Elle n'a pas de problème avec toi. Vous avez signalé ici sa page. Et vous avez fait semblant d'aller la soutenir. Vous avez fait semblant d'aller la soutenir. Donc là, ne passe pas. Si tu as un problème avec Apoutou, règle ton problème avec Apoutou. Enlève coach Amouchik dans tes bêtises. Parce qu'elle n'a jamais encouragé Apoutou. Elle ne l'a jamais encouragé. Ou bien parce que Apoutou est venu dire merci maman coach Amouchik parce que tu m'as offert les trois bouteilles de champagne. Ce soir, je vais boire pour Jensen le El Diablo. C'est ça qui te fait mal. C'est ça qui te fait mal. Bois un peu d'eau. Ça va te passer. Je te fais tomber tes boutons, je te fais avaler ça. C'est quoi ce comportement mal élevé? On n'a plus de respect pour les doyens. On n'a plus de respect pour les icônes des réseaux sociaux. Quand tu es sur les réseaux sociaux, il n'y a plus de respect. Tu es blogueur, comme tes collègues, il n'y a pas de respect. Les doyens là, ils sont chez eux. Ils ne sont pas parmi les enfants. Ils ne se mélangent pas parmi les enfants. Donc, quand tu viens sur les réseaux sociaux et puis tu te mêles de tout et de rien là, il faut t'attendre que le respect sera manqué. Le verbe joyeux. Il faut t'attendre que le respect sera manqué. Tu es là, tu t'attaques à coach à moins chic. Tellement que tu as tellement mal. Tu es tellement étonné. Tu ne supportes pas les 24 000 personnes qui suivaient Apoutou. Tu as mal au cœur. C'est ça. C'est ça. Je vous ai fait quoi? Des hommes femmes vont les aider? Comment ce soit la Marcousou qui a signalé ta page? Tu es une femme intelligente? Tu peux te soigner, analyser? Si on pouvait fermer la page de quelqu'un, c'est un petit sa page, on allait faire mon premier. Merde! C'est quoi ce comportement? De manque de respect! On te respecte, respecte-nous! On me demande si les gens parlent de toi, tu es qui toi? Faut qu'on se respecte! Mais c'est la Côte d'Ivoire et puis quoi? On sait que Côte d'Ivoire là c'est pour vous. Oh. Donc on n'a plus le droit de parler. Tu es là, tu menaces coach à moins chic là, elle a quoi avoir dedans? Ou bien elle a mal fait de donner trois bouteilles de champagne à Poutou. Cela ne veut pas dire qu'elle encourage. Cela ne veut pas dire qu'elle encourage. Donc toi tu menaces tout le monde parce que c'est vous qui dirigez la Côte d'Ivoire. Donc on ne peut plus parler. Adama. Je vais 48 heures avant le direct. Stéphane, tu as eu le temps de mener une enquête. Et tu m'as présenté devant la cour, la CPI, la cour pénale d'Internet, comme Babo. Je ressors aujourd'hui acquitté. Je suis heureux. Il n'y a eu aucune preuve. Priez un peu Dieu. Je ne suis pas mauvais. Un commentaire, vous le massacrez. J'espère qu'un jour, tu pourras me répondre. Dieu nous garde et sache, j'ai le respect pour toi. Attends. Mathieu, vous allez voir maintenant la vidéo que j'ai faite, dans laquelle j'ai demandé pardon à mon fils. Je me suis posé la question, comment cette affaire est venue? Attendez, vous savez qu'il a mis l'audio de la mande à Poutou. Je me suis posé la question.
J'ai fait une vidéo dans laquelle j'ai demandé pardon. J'étais fâché contre lui. Et la raison pour laquelle j'étais fâché, je vais vous la révéler aujourd'hui. Depuis 7 mois, mon fils fait croire que c'est à cause de l'affaire Fabi que j'étais fâché contre lui. Non. Mathieu, j'ai besoin du chargeur. Mon téléphone rit de s'éteindre. Ça va? Étienne. Attends, je suis où là? Attends. Que tu as dit, pas plus, pas moins. Mais, toi tu l'es guide. Le guide, c'est Dieu. Fallait le débloquer puis parler en inbox avec lui. Quand lui me manquait de respect, c'était publiquement, non? C'est publiquement, je viens m'humilier. Pour dire mon petit, pardon, laissons tomber l'affaire. Ça veut dire tu prends, tu fais par ton chemin, je fais mon chemin. Le vieux, j'ai compris. Bonne chance, l'eau beauté. Admis à comme ils appellent, même beauté. Attendez. À tous les administrateurs. Mathieu, l'eau beauté. Pour pas manque de contrôle. Tous ceux qui vont écrire mon général, je t'aime. Que s'il vous plaît, ne arrêtez pas. Ils sont. J'ai laissé tomber. Mes amis, j'ai demandé pardon. Beaucoup de choses. Attendez, je cherche la partie. Ma course est un faux pasteur. Ma course est un. On a parlé longuement. Hein. Attends. Il y a eu chiffre. Il envoie l'idée. Attendez. C'est ma course qui le dit. C'est ma course. Parce que sa maman est déçue. Écoutons. Ce n'était pas dans, sur internet là. On m'insultait pas. Moi aussi, je ne peux pas quitter sur les faits. Attendez. Parce que c'est là-bas que je cherche mon crève. C'est là-bas que je suis venu. Attendez, hein. Quand je parle comme ça, peut-être les gens disent travaille ensemble. Mais toi, pardon, n'était pas sincère. Ah, pour jouer. Mettez-moi les écrivez. Je vois tout le monde écrit. Mon général, je t'aime. Sinon, j'arrête le direct. Faut arrêter. Vous n'allez pas laisser des intrus venir sur notre direct. Pour nous beauté. Admis à comme ils appellent, mini beauté. Mettez des commentaires. Gagnez. Qu'on se moubou. On est bien moukouli. Et on fait un moukoupan. C'est des qu'on se moubou. Pas que vous avez parlé. Moi, j'ai trouvé bizarre les choses. Voilà pour. Fais choix. Sois en paix avec là. Ça s'arrête là. La première fois qu'elle me contacte en ce qui concerne Stéphane, je vous montre ici le message. Nous étions le 7 juin. Donc, Camille Makosso n'est pas fâché avec Stéphane dans l'affaire de Fabi. Depuis le 7 juin, Stéphane me manquait de respect. J'ai monté la vidéo tout à l'heure. Et vous allez me dire, si quelqu'un qui dit qu'il est ton fils, qu'il te respecte comme étant son mentor, peut dire ce qu'il a dit. Ne soyez pas dans l'émotion. C'est vrai que moi je parle fort, mais je vais me calmer. Et je vais parler dans un esprit calme, doux, pour qu'on me comprenne bien. Et si l'on est quand? Donc là, c'est-à-dire c'est la conversation et le vocal qu'il a eu avec la maman d'Apuchou. Il a eu à parler avec la maman d'Apuchou. Donc, il vient maintenant mettre ça sur les réseaux sociaux. Ça, c'est le comportement d'un pasteur. Un pasteur qu'on cause avec toi en privé et tu viens mettre les audios de la personne sur les réseaux sociaux. Adama. La maman de Stéphane me crée du quoi? Lisez. Ici, il est marqué maman bleu Brigitte. Ici, il est écrit quoi? Mon fils, c'est bleu Brigitte. Mon fils, je veux parler avec toi, c'est urgent, car je ne suis pas bien du tout. Dieu te garde, c'est la maman de Stéphane. Ah, mon fils, tu me fais vu et ignoré. Vraiment, j'espère qu'un jour, tu pourras me répondre. Dieu nous garde et sache, j'ai le respect pour toi. J'ai répondu en disant, maman, j'ai beaucoup de respect pour toi. C'est comme je l'ai dit à ton fils personnellement, je ne veux plus parler. Tout ce que lui et moi avions à nous dire, on s'est dit. Je ne suis pas un enfant. À 42 ans, je suis père de plusieurs qui attendent de moi concentration sur les sujets qui ne font pas avancer. Je ne reviens plus là-dessus, car la vie est courte. Je joue deux rôles. Je ne veux plus m'arrêter sur les éléments qui ne font pas avancer. Elle dit, ok, je respecte ta décision. Je ne savais même pas que vous avez parlé. Moi, j'ai trouvé bizarre les choses. Voilà pourquoi étant, elle m'a dit que Dieu te bénisse. Elle dit, amen. Le 8 juin, ici, preuve, 8 juin, j'envoie une autre vocale à sa maman. Maman bleue Brigitte, je tenais dans un premier temps à te dire merci du fait que tu m'as contacté hier. Ce matin,
parlé pendant 45 minutes. Moi et Stéphane Abré, à Poutou, on s'est parlé pendant combien de minutes? 45 minutes, c'est mon fils. Pendant que partagez la vidéo, mettez les cœurs, s'il vous plaît. Partagez la vidéo. Mettez mon général, je t'aime. Écrivez mon général, je t'aime. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Ne arrêtez pas. Ils sont en train de signaler la vidéo. Mettez les cœurs. Je recontacte toutes ces notes vocales. C'est la maman qui m'envoie. J'ai envoyé un. Tout ça, c'est la maman qui m'envoie. Je termine en lui disant ce qui suit. Écoutez bien. On est toujours le 8 juin. En train d'écouter tes audios. Moi, j'ai beaucoup mal. Tu sais, j'ai beaucoup mal. Souvent, je me mets à ta place. Mais il y a une vérité qui est là. On ne peut pas éteindre l'étoile d'un enfant. C'est Makosso qui le dit. C'est Makosso. Parce que sa maman est déçue. Écoutons. Ce n'était pas dans, sur Internet. Là. On n'insultait pas. Moi aussi, je ne peux pas quitter sur le Face. Parce que c'est là-bas que je cherche mon grimper. C'est là-bas que je parle de mes productions. C'est là-bas que je parle de mes films. C'est là-bas que je parle de ma vie. Donc je ne peux pas aussi. Même si je suis sur Internet aujourd'hui, ça ne va pas les empêcher de m'insulter comme ils le veulent. Et ça, par rapport à mon fils qui est dans ce métier. Donc vraiment, merci. Merci pour tout. Je respecte cette femme. Comment on peut venir mettre l'audio d'une personne avec qui vous avez causé en privé? Si ce n'est pas la méchanceté, si ce n'est pas pour détruire la personne, tu viens mettre l'audio de sa maman. Tout ça à cause des 24 000 vues. À cause des 24 000 personnes qui l'a suivi. 24 000 personnes là, c'est ça. Tu veux, c'est-à-dire que ça rentre dans ton corps. Je pense que je vais finir bientôt. Oui. Côté de plaintes. Côté de plaintes. Attendez, côté de plaintes. Vous prenez un bon avocat. On va se tester un peu. Attendez. Pour défendre une lesbienne barbue. Pour que tout simplement son clan soit bien. Que ça propre. Sur le plan du droit. Hein, pas sur autre chose. Toi-même, faut voir. Calm down. On a besoin. Hein. C'est que tu m'as fait là. J'aurais pu me taire. Si c'est un faux pasteur, je me tais. Hein. Et puis ma camoura a fait le travail. Mais je ne suis pas comme ça. J'aime l'homme. Calmez-vous. C'est qu'il a fait là, c'est petit. Les circons du Sougou. Hey, mon enfant là, il est bête, hein. C'est un enfant maudit. Voilà. Quand il dit ça, tu dis quoi? Non, mais, hey, pardonnez. Hey, Manel Keita. Non, faut laisser Manel Keita dans tes bêtises, hein. Hey, qui, tu allais pour une photo, là. Attends. Tu as venu comme un enfant, tu as mamaillé le monde entier. Odio. Apoutchou, viens faire vidéo. Des clôtures, vous voulez nous dépasser? Il va savoir qu'en Côte d'Ivoire, ici, là, il y a les uns et il y a les autres. Que tu as mis personne? De la ligue, là, c'est Yaka qui est venu me dire, mon général, on a besoin de toi. J'ai dit non, hein. Il vient vous donner des conseils. Il dit, ah, on a déjà décidé, tu as pris. Qu'est-ce qu'on va prendre à Yopo? Attends. Je vends arbres en Israël. Nous partons faire des plantings d'arbres en Israël. Une guerre contre les souris. Attends. Apoutchou. T'as dit, tu. Apoutchou. Regarde. On peut être fou comme ça. Attends. Moi, qui dit je suis son papa. Il dit je vends l'eau à mes fidèles. Que tous mes fidèles. À moitié des plus. Stylés. En tout cas, t'en bon. Non. Quelqu'un qui demande pardon 10 fois pour la même bêtise. C'est un fils de diable. C'est un démon. C'est toi le démon? C'est toi le diable? C'est toi le vampire? Parce que l'enfant t'a demandé pardon plusieurs fois. Tu ne veux pas. Tu veux le nuit. Tu veux forcément le faire du mal. Entre vous, de qui est sorcier? C'est toi, le veuve joyeux. Montez tout à l'heure, qui moi? Regardez cette vidéo. Barthélemy Nabo. Attends. Venez, je suis le. Attends. On a laissé dans ta vie. Rio, de quoi? Côté plainte là. C'est un conseil que je te donne. Tu es utile pour la Côte d'Ivoire. Tu n'as pas seulement les défauts. Tu as des qualités, mais comme tu es bête. Mais bon, bref. Caca aujourd'hui là, je vais le nettoyer. Donc voilà. Dans cette histoire là, il y a eu plainte dedans.
Donc, Makoso, le veuve joyeux, El Diablo, a porté plainte contre Apuchu. Donc, ça veut dire que Apuchu ira en Côte d'Ivoire en décembre. Le juge met pied en Côte d'Ivoire, là. Ils vont venir le prendre, comme de la manière ils ont fait à Love Gugu à l'aéroport. On peut être méchant comme ça. Comme il a dit au pays des gâtés, gâtés, ils gâtent tout. Apuchu, toi, c'est-à-dire que tu le protèges. Tu protèges quelqu'un qui est aussi dangereux, qui veut détruire ta vie, qui veut te voir malheureux, qui veut te nuire, qui veut tout bloquer sur ton chemin. Toi, tu le protèges. Mais lui n'a pas sentiment. Il a oublié que hier, tu l'as soutenu. Il a oublié que hier, sans toi, là, il allait finir sa vie à la maca. Il allait pourrir en prison. Ce n'est pas la prison, il a fait, puis il a échappé là. Hein. Ce n'est pas l'autre prison, il a fait. Et puis il a échappé pendant la guerre, puis il est sorti. Toujours j'ai fait la prison. Il a fait 15 semaines, mais 15 quoi en prison là. Ce n'est pas ça. Mais aujourd'hui, le bien que tu lui as fait là, il n'a pas reconnu. Mais toi, il veut te faire du mal. Il faut continuer de le protéger. Hein. Il faut continuer de le protéger. Au lieu de le dénoncer, le vocal que tu as de ce qu'il est venu te dire pour que tu le soutiennes lorsqu'il a perdu sa femme là. On sait que vous en savez plus, mais tu continues de le protéger. Mais lui là, il est prêt à te détruire. Il est prêt à te détruire, Apuchu. Tu penses qu'il joue avec toi? Il ne joue pas avec toi. Il ne joue pas à... El Diablo, le veuve joyeux n'est pas là pour jouer avec toi, Apuchu. Parce qu'il voit que tu l'as défié. Parce qu'il voit que vous êtes en compétition, vous êtes en concurrence. Et il est prêt pour te créer le problème. Et il est en train de menacer ta famille. Je sais qu'il va menacer ta famille pour que tu viennes lui demander pardon. On est assis par terre, on regarde. Oui, on est assis par terre, on regarde. Voilà, affaire de plainte est sortie dans ça. Il a dit, c'est en Côte d'Ivoire. On va voir qui est qui. On va voir qui a relation. On va voir qui a long bras, qui a long pied. Mais toi, tu joues avec lui. Tu l'as protégé. On ne protège pas un vampire. On ne protège pas un sorcier. On le dévoile. Parce qu'il va finir par te manger. Il va finir par te manger. Apuchu, continue de le protéger. Quand tu vas te retrouver quelque part, celle-là, tu vas dire, si je savais là, j'allais l'exposer aussi. Il a joué au vocal de ta maman, non? Est-ce que quand lui et puis ta maman, les deux parlaient là, est-ce que les gens étaient là? Non. Mais il est venu mettre le vocal de ta maman sur les réseaux sociaux. Il est venu mettre la conversation qu'il a eue avec ta maman sur les réseaux sociaux. Toi, continue de le protéger. Il n'a plus besoin de toi parce qu'il a fini de t'utiliser. Il a fini de t'utiliser et il ne veut pas que tu le laisses. Parce qu'il veut continuer à te manipuler. Parce qu'il s'est dit que si c'est loin de toi, tu vas finir par l'exposer. Tu vas dire la vérité. Tu vas dire ce qui s'est passé sur la mort de sa femme. Parce que tu en sais un peu. Quand quelqu'un vient pour dire j'ai perdu ma femme, je veux qu'on me défende. Tu ne te reproches rien. Pourquoi tu veux qu'on te défende? Tu n'as rien à voir dans la mort de ta femme. Mais pourquoi tu trembles? Et tu as besoin qu'on te défende. Il va donner un peu d'explication. Apuchu, continue de le protéger. Lui n'a pas sentiment pour toi. Oui, il n'a pas sentiment. Actuellement, là, vous êtes en guerre. C'est la guerre. Si vous voulez intervenir, intervenez. C'est la guerre. Oui, 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 oui. C'est la seule personne qui a deux personnes qui l'a su. Mais vous n'allez pas comprendre. Nous, on observe. Et puis on dit, on ne parle pas pour parler. Il faut observer et puis parler. Continue de le provoquer, de le couvrir. Mais tu vas, c'est-à-dire que tu vas comprendre qui est Makoso. Celle-là, tu vas comprendre qui il est. Il va montrer son vrai visage. Il va montrer son vrai visage. Donc, famille,
C'était juste mon petit message pour dire, ah, Poutou, en tout cas, tu vas affronter. C'est un affrontement parce qu'il ne va pas te laisser. Mm-hmm. Allô? 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 Donc voilà, famille, c'était un peu ça. Quelqu'un a appelé pour intervenir, ça s'est coupé. Donc c'est ça. Les gens comme Makoso là, faut pas avoir sentiment. Faut faire ça propre. Au pays des gâtés, gâtés, on gâte tout. Actuellement là, tu as ton événement, tu as été nominé. On ne sait pas comment ça va se passer. Allô? Allô? Oui, allô? Allô? Oui, allô, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Oui, bonjour. Bien, je vais bien, merci. Je vais intervenir dans le direct. Oui. Ça peut aller. Oui, madame. Ok, bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Et monsieur Makoso, c'est un homme politique. Mm-hmm. Vous me suivez? Oui, oui. Et je pleure beaucoup la maman de Akoutou. C'est ça. Il est bien protégé son enfant. Mm-hmm. Mais un enfant de Dieu n'a jamais peur. C'est ça. Mm-hmm. Moi je suis béloise. C'est pour que tu viennes entre nous. Non. Moi la désabaisé au Bénin. Donc tout ce que je pouvais vous dire, dit à moi de la route de bien protéger son enfant. C'est ça. Parce que ce qu'il a fait hier, il a fait un rituel sur l'enfant. Mm-hmm. Mais ça ne peut pas partir. C'est un peu ça. En tout cas, merci. Donc, c'est tout juste ce que je voulais dire. Merci beaucoup, merci, madame. Bye-bye. Merci à vous aussi. Au revoir. Donc, c'est ça. Je vous dis, c'est la sorcellerie. Il est en train de planifier en plein direct. Tiens, les gens ont appelé. Même, j'ai pas vu les appels. C'est la sorcellerie. Attends. Je vais rappeler. Bon, vous que je n'avais pas vu. Allô? Oui, allô? Oui. Bonsoir, Lova. Bonsoir, madame. Oui, ça va? Bien, je peux merci. Intervenir? Oui, madame, avec plaisir. On vous écoute. Voilà. Merci beaucoup, ma chérie. Je vous en voilà, prie. Allô? J'ai très mal au cœur. Mm-hmm. Oui, vous m'entendez? Oui, oui. Parce que cette histoire, franchement, un monsieur comme Makoso, mm-hmm. c'est pas une concurrence que Apoutou fait avec lui. C'est ça. Il faut que monsieur Makoso sache que mm-hmm. dans la vie, quand on a un certain âge, il y a des choses qu'on ne fait plus. Mm-hmm. Hein? Il est un ancien de la toile. Mm-hmm. Il est temps pour lui de laisser la place à la jeune génération. C'est ça. Parce qu'aujourd'hui, personne ne fait plus confiance à ce monsieur-là. Mm-hmm. Personne. C'est pas Apoutou qui est venu dire qu'il est un faux pasteur. Mm-hmm. C'est pas Apoutou qui a dit qu'il a tué sa femme. Mm-hmm. C'est pas Apoutou qui a dit qu'il est un marmailleur. C'est lui-même qui a écrit un livre mm-hmm. à la prenant ce qu'on appelle la haute marmaille. C'est ça. Ça, c'est trop dangereux. Mm-hmm. Et je ne comprends pas comment les pasteurs de la Côte d'Ivoire peuvent laisser un monsieur comme ça ternir l'image de Dieu. Primo, il n'était pas dans l'histoire de, comment on appelle ça, des blogueurs. Mm-hmm. Subitement, quand il a vu, la dame, comment elle s'appelle, la dame qui ressemble à un génie, là, comment elle s'appelle, moche comme tout, là, voilà, madame Kayakou Tête, moi je l'appelle comme ça, tant pis, excusez-moi, je ne l'insulte pas, hein, mais je suis désolée. Mm-hmm. Quand il est venu avec le projet, il a vu que derrière cette histoire, il y avait de l'argent. Mm-hmm. Vous comprenez? Il s'est dit, ah tiens, et pourtant au début il ne voulait pas. Il a accepté. Mm-hmm. Apoutou qui il prétend dire que Apoutou est son fils. Pourquoi il est venu répondre au direct d'Apoutou? Si il répond au direct d'Apoutou, ça veut dire que ce que l'enfant a dit est vrai. Mm-hmm. Loba, oui. Si moi, tu m'attaques. La connexion. Oui. Allô? Oui, allô? Je suis informaticienne.
Le direct de M. Makosso, c'était un direct préenregistré. C'est ça.